C'est bon, le micro, c'est fait. Bonjour. Alors, c'est samedi, on va baisser un peu la musique, grave même en fait. Waouh, arrête de gueuler. Bien sûr, on va se mettre notre tour son parce qu'on va en avoir besoin. Alors, tu bouges pas, c'est de la technique. Toi-même, tu sais, toi-même, t'as l'habitude. Waouh, waouh, tellement de sons dans mes oreilles, c'est beaucoup mieux. C'est samedi, c'est le week-end, il est 21h30, bonsoir à tous. Bienvenue dans le live du chaos. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'en ai pas la moindre idée, bien sûr, c'est un live complètement improvisé. Alors, ce qu'on va faire les gars, j'ai une idée. Ne rigole pas, bien sûr que j'ai une idée. Et c'est peut-être une bonne idée. Enfin, j'en ai même plusieurs en fait. Pas mal de petits votes ce soir. Donc si t'es sur Kick, c'est bien, parce que c'est sur Kick que tu vas voter. C'est plus pratique pour les modos, et comme c'est pas moi qui vais m'en occuper, j'ai pas envie de leur casser les pieds, donc on va faire que des votes sur Kick. Alors, bien sûr que ça va être drôle. Moi, ce que je vous propose, j'ai plusieurs idées. Première idée, on se crée une chanson ensemble. On fait les paroles, on réfléchit au style, on s'amuse sur Suno, on fait un truc ensemble. Vraiment, on part de zéro et on... Mais non, je te mets pas des vents, je peux pas tout faire. Ta gueule sur Doc, et bonjour. Donc, on fait une petite chanson ensemble. Aline, t'es abonné maintenant sur Kick, tu peux nous rejoindre, bien sûr. Donc, on se fait un petit truc ensemble, on écrit les paroles, on s'organise. Me demande pas comment, j'en ai pas la moindre idée. Mais justement, on va tester 3.5, bien sûr, on va la tester ensemble. En plus, Léviathan, j'ai vu que t'étais chaud comme la braise sur les méta-tags, donc j'aurais certainement besoin de toi. Tu m'as l'air bien plus au point que je ne le suis. D'ailleurs, parce que en fait, c'est ça, salut Pika. C'est ça qui est génial avec le live interactif, c'est qu'on peut changer d'activité ou grouper des activités ou en faire plusieurs en même temps. On peut se mater des watts de cut à un moment si vous voulez, ou on peut se faire que du React ce soir. On peut aussi se faire du gaming. J'ai pas trop envie de vous mettre un film, parce que si je dois mettre un film, on en profitera plutôt demain. Je sais pas encore ce qu'on fait demain, je sais pas si Johan sera là, donc à voir. À voir. Ok? Si un des modos avait la gentillesse de préparer un vote avec les choix que j'ai proposés, donc soit React, soit gaming, soit on se fait un Suno. Voilà, en gros ça vous va, à moins que vous ayez une autre idée, le chat, je vous laisse une petite minute pour me répondre, pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes disclaimers, et je vais préparer la sponsor, tout ça, toi-même tu sais. Alors, bing, je sais pas, est-ce que j'ai un modo, moi, on fait quoi? Parfait, vous êtes des génies, je vous aime, mais vraiment. Tu bouges pas parce que j'ai des idées à la con. Aujourd'hui, je teste des trucs. Tu es mon otage. Tu n'as pas le choix, bien sûr. Toi aussi, teste des trucs avec Pierre. Alors, déjà, j'avais envie de faire ça et après, je vais faire ça. Alors, toc. Je vais faire ça. Tu te calmes. Waouh. Page blanche, regarde. Alors. Ok. Les disclaimers, on va parler d'argent. L'argent, c'est important. L'argent, si tu n'en as pas et que tu as des enfants, tu le gardes pour toi et tes enfants, tu achètes des pâtes, tu fais des économies. Je te préviens, l'électricité va encore augmenter parce que ça augmente tout le temps. Tu fais des économies, c'est bientôt les vacances. Il va falloir faire la révision, il y a le contrôle technique. Saloperie, ça a encore augmenté aussi. Voilà, tu sais. Si tu as beaucoup d'argent, bien sûr, tu as bien réussi ta vie. Qui se lève tôt, envoie des subs à Pyro. Tu en as trop. Tu veux évidemment avoir des réductions d'impôts. C'est fou, je ne sais pas du tout ce que je dis, ne m'écoute pas. Mais enfin, tu as envie d'aider. Bah, n'hésite pas. Tu fais des subs, tu fais le PayPal, tu fais le Twitch, tu sais. Si tu as du pognon ou que tu n'en as pas, mais que tu as quand même envie de nous aider, tu pousses l'algorithme autant que tu peux. Tu fais des likes, des commentaires, tu fais des tweets, tu n'hésites pas. Surtout, tu fais de la pub. C'est important. Ça, c'est fait. J'ai fait une connerie. Il faut que je vous la partage. C'est pour la sponsor, bien sûr. Alors, attends, bouge pas. Faut que je fasse ça. Si je fais ça, normalement, ça marche ou pas? Vas-y, attends, bouge pas. Bon, je vais faire ça d'abord. Ah, je t'ai dit, c'est interactif. Hein.
Tu vis la technique en même temps que moi. Hop, tu vois. Yo, c'est la oui. Sanso, c'est à propos de CBD. La meilleure qualité, tu vas l'adorer. Tu veux du calme, du chill et être bien posé. Sans te prendre la tête à te déplacer. Cookies, yo, CBD de qualité. Comme promo, pâture 10, c'est 20% à économiser. Nique la logique, ça me fait bien marrer. Avec Cookies, yo, c'est la meilleure façon d'apprécier. Cookies, yo, CBD de qualité. Comme promo, pâture 10, c'est 20% à économiser. Nique la logique, ça me fait bien marrer. Avec Cookies, yo, c'est la meilleure façon d'apprécier. Et tu sais, fumer nuit à la santé. Mais tu sais, quand tu cuisines, tu peux l'utiliser. Des comestibles savoureux au goût délicieux. Après Cookies, yo, profite de tous les bienfaits sérieux. Cookies, yo, CBD de qualité. Comme promo, patcho 10, c'est 20% à économiser. Nique la logique, ça me fait bien marrer. Avec Cookies, yo, c'est la meilleure façon d'apprécier. Fumer, c'est pas bon, mais le CBD, c'est l'option. Cookies, yo, te guide vers la meilleure solution. Avec patcho 10, profite de la réduction. Cookies, yo, c'est la référence sans aucune hésitation. Mais bien sûr, crie au génie ou dit que je suis un connard, mais j'ai fait ça, bien sûr. Ah bon, vraiment, voilà, ok. Un peu d'auto-suissage, la souplesse. Bonsoir Gorgonozoro. Mais bien sûr, c'est un banger pour une pub, c'est fait exprès. Je me suis tapé un délire, je me dis, il faut absolument que je fasse une pub pour Cookies, quoi. Ah, mais oui. Alors, on a encore le temps pour le pôle. On a fait ça, on est tellement bien. On va se mettre un coup de du lourd. Bien sûr. Alors, ici, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai envie de l'écouter. Hein. Ah, c'est uniquement pour ma gueule. Hein. Les salopes, je les manipule comme cette fille Isabelle. Pardon, je voulais dire ça, c'est ça. Enfin bref, Isabelle, tu sais ce qu'elle est. Le monde le sait. Quand je prends une belle fille, je vais pas hésiter. Je lui ouvre les jambes et je la fais vibrer. Bah plus le coup. T'as peut-être l'air d'un gangster, mais tu finiras sous le sol avec ton rap de bas étage. J'y crois jouer à GTA, mais si t'as qu'une seule vie, ton son c'est du costaud. Si tu m'attaques, tu vas te faire mal. Si tu piges pas mes paroles, attends juste que ça te frappe le cerveau. Pas besoin de faire le YOLO pour te mettre à terre. Quand je déballe mes rimes, c'est sans pitié. Tirageux, tu veux la guerre. Parle que derrière un rêve écran. Les filles, je les gère, et toi t'es qu'une distraction. Tu peux pas le supporter, alors viens pas provoquer. Fais pas la guerre avant la paix, car moi j'attrape d'abord. Tourne pas la tête, car je suis déjà fort. Avec ton style, tu voudrais rapper. T'es prêt à aller jusqu'à frapper. Par colère, par vengeance, jusqu'à tuer. Dédicace à mon pote Rémi, à Lulu, qui a une place dans mon cœur. Les flics serrent les menottes, les jaloux serrent les fesses. Et Pulco, il débarque avec son son qui décoiffe. Son, c'est du lourd, ça t'agace mais ça tabasse. Du lourd. J'adore ce titre. Je suis clairement pas objectif, mais je vous jure que je l'aime. J'ai rien fait, c'est juste Suno. Mais ça me fait penser vraiment au rap des années 90, un peu hardcore. TSN, ce genre de choses. C'est vraiment... Ouais, le cri à la fin. T'avoue, sur Doc, la transition, c'est pas celle que je préfère. C'est pas celle que je préfère. Mais j'ai jamais réussi à... Vraiment, quand il dit du lourd, avec cette intonation-là, j'imagine tellement plus le coup. J'étais obligé de le garder. J'étais
complètement que j'ai pas le choix. En parlant de choix, le pôle est fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? React WTC. Bah ok, d'accord. Allez, hop, c'est parti. Pas de souci. Alors par contre, il va falloir que je contacte Yo-Yo, parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, je crois. Il va falloir qu'il me coupe de Twitch, je pense. Alors, bougez pas. Hop. Toc. Hop. Le zap de cocaïne ou pas? Non, pas du tout. Non, pas me couper moi, mais t'es folle. Je resterai en entier jusqu'à la fin. Un pierre à 100% naturel. Alors. Bouge pas. Comment je contacte le chef, en fait? Comment je peux le contacter sans l'emmerder? Tout pour l'emmerder, bien sûr. Alors. Wow. Reviens ici, petit écran. Mais non, pas tout de suite le bouton rouge. Attends tout à l'heure. Alors, il est où? Il est là. Hop. Oui, j'envoie des MP au chef. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Ça, c'est fait. Alors, en attendant que le chef il me réponde, on va faire d'autres choses. J'ai fait une petite chanson sur l'axe. Bouge pas, je te la fais écouter. Alors, j'en suis tellement fier. Bouge pas. Écoute ça. Hop. Juste le temps que le chef fasse les petits réglages. Bien sûr, Aline. Et je suis abonné au mois. Ça va être incroyable. Non, c'était incroyable, je l'adore ce titre. Bien sûr, waouh, le blanc immaculé me brille la rétine. J'arrive plus à parler, je suis un peu fatigué, vous m'excusez. Allez. Alors, est-ce que le chef m'a répondu? Le chef, il m'a pas répondu, il doit être tellement occupé. Alors. D'accord. Apparemment, après match, ça doit le faire si on regarde les watts de cut. Ok, on va déjà commencer par les watts de cut. On n'en a pas tant que ça. Ah si, Johan m'a dit qu'ils étaient très très longs les derniers. C'est fiche, je te dis une bêtise. Il m'a dit qu'ils étaient très longs. Si ça se trouve, on a de quoi faire la soirée. On verra, de toute façon, on se débrouillera. Alors, pour trouver mes watts de cut, c'est pas compliqué. T'inquiète pas, je sais exactement où aller.
Je vais dans Google Doc, je regarde dans les réacteurs, et là, je trouve pas du tout ce que je cherchais. Alors, c'est pas ça, c'est ici. Mais oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui me les a déjà mis en place. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous avez fait ça ou ça s'est fait automatiquement? S'il y a quelqu'un qui est derrière le travail qui a été fait, bah, je sais pas comment le remercier. Vous êtes juste une équipe complètement incroyable. On dit souvent que derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme. Je pense que derrière tous les grands streamers, il y a une putain d'équipe. Et franchement, si je réussis pas, ça sera entièrement de ma faute. Ce sera pas de la faute de l'équipe. Je peux vous le dire. Alors, on fait ça. Jusqu'à là, on est pas mal. Pop, pop. Est-ce qu'on a le bon ? Ça, c'est la playlist au complet. Oui, ça, c'est la playlist. Ça, c'est les hauts séries. Ça, c'est... Non, je me suis trompé. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ne bouge pas. Mais oui, c'était ici. Vous avez encore plus fait de travail ici. Voilà. Vraiment, quand je vous dis qu'il n'y en a qu'un seul qui peut merder ici, c'est moi, c'est la vérité. Et voilà, c'est parfait. Wouah, tu te calmes, Antoine Daniel. Ah ouais, ça a changé. On est sur le What the Cut 31. Alors, il est quelle heure? Il est 21h46 et on va se mater un What the Cut 31. C'était Poteau, Pinceau et l'Aventurier. Tu me laisses encore quelques secondes parce que je crois que j'ai pas fait les bons réglages. Attends, attends, on va y aller palier par palier. Déjà, mini-pierre. Est-ce que ça marche? Mini-pierre, mini-pierre, mais il fait le maximum. Ça fonctionne pas. Tu t'inquiètes pas. Je sais quoi faire. Propriété. Bien sûr. Ici. Ici. Là, ça marche. Ouais. Incroyable. Ne fais pas le surpris, s'il te plaît. C'est vexant pour moi. Ici. Filtre. Hop. Et on active. Parfait. Mini pierre détourée. Avec une tête... Non, ici. Voilà. Là, j'ai le casque qui apparaît de temps en temps. C'est le fantôme. N'aie pas peur. Ouais, je sais que t'es surpris, Léviathan, et ça devient vachement vexant. Surtout que tu me connais, donc ça m'inquiète beaucoup. Alors, on a fait ça, on a fait ça. Il nous reste le son. On va faire gueuler un coup, Antoine, et on va voir si t'as le son. Ah, attends. Déjà, j'ai oublié de faire ça. Si je fais ça, c'est mieux. Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est normal. Je sais exactement quoi faire. Je vous jure, un jour, vous allez dire, waouh, il est incroyable. Hop, hop, je serai mort. Jusqu'à là, tout va bien. On se remet au début. Et on est parti. Salut, vu que je me suis récemment coupé les cheveux, je sais que 78% des commentaires ne porteront que sur ça. Voici donc une explication. Mes cheveux sont un organisme vivant et autonome dont le but est de détruire l'espèce humaine par tous les moyens possibles et imaginables. Pour sauver l'humanité, je me dois de les raccourcir environ tous les 6 mois. C'est une opération périlleuse car ils ne se laissent pas faire et c'est un terrible combat à chaque fois. Donc au lieu de me faire remarquer à chaque fois que mes cheveux sont plus courts, remerciez-moi pour avoir sauvé le monde. C'est pour cela que je me les suis coupés. C'est surtout parce que c'était moche. Ouais. Ouais. Salut, merci Megan pour le follow. Dites-moi, est-ce que vous vous trouvez sexy? Bien sûr que non, puisque vous êtes atrocement laid. Bonjour, ouah, je suis le vomi. Vu que vous n'êtes pas du tout attirant sexuellement à cause de votre physique disgracieux ou peut-être parce que vous êtes mineur, justement, j'aime bien les mines. Pardon? On en est là? Ça fait combien de temps qu'il a commencé? 40 secondes. Ok. J'aime beaucoup cet homme. Que diriez-vous pour remédier à tout ça de prendre un petit cours de pole dance? Mais ce reportage oui. Suisse nous montre l'interview d'une femme qui dirige une école de pole dance. Et on va dire c'est que quelque chose attire mon attention, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce qu'elle est en train de raconter. Je suis avec Margaret Torini qui enseigne notamment la pole dance et qui a une formation elle, de danseuse. Bonjour, merci d'être avec nous. L'importance de ce championnat suisse pour vous, c'est d'inscrire justement la pole dance comme une discipline à part entière? Pardon. Oui, tout à fait. À savoir que c'est une discipline qui comporte trois disciplines en tout. La discipline circassienne qui vient du cirque, donc avec le mâchinois, le trapèze, le cerceau, enfin, etc. La gym avec la gym artistique, les agrès, et puis les danseurs et la danse autour de la barre. Oui, un peu sensuel, etc. Il reste vraiment dans une connotation de sportif, un peu plus que la femme. Alors ces championnats suisses, justement, quand ça va mener qu'on est champion suisse, est-ce qu'on peut ensuite participer, je ne sais pas, à un championnat du monde? Alors, non seulement on peut participer à un championnat du monde, mais il y a différentes
société à l'extérieur de Suisse, dans le monde entier, qui essaie justement de se réunir pour faire en sorte que cette discipline soit très sensuelle, olympique reconnue de manière internationale. Comment dire ? Waouh ! Quelle belle performance ! Le premier petit détail qui pique... Oh putain, enculé ! Qui pique ma curiosité, c'est que la personne qui a encodé la vidéo a laissé sa souris d'ordinateur dans le coin droit de la vidéo. Ah oui ! Ce qui fait qu'à plein de moments, on a l'impression que celle-ci caresse le mec derrière. Oh oui, fils de Ah oui, j'avais pas vu. Je vais voir que ça maintenant. Êtes-vous prêt pour... le meilleur arrêt sur image de tous les temps ? Ouais, non, c'est pas vrai. Yo-Yo a fait mieux. Et j'étais là. Non. Arrête de me regarder comme ça. Bah si, je te jure. Je suis totalement certain que ceci est une technique de séduction absolument imparable. C'est quoi ton principal atout pour serrer une meuf, toi ? Mais boule ! J'admire sincèrement le pragmatisme du journaliste. Imperturbable, solide... Désolé. Il pourrait se passer n'importe quoi derrière qu'il s'en battrait impérialement les testicouilles. Vous élevez des lamas au Nicaragua ? Tout à fait. Et comment vous est venue cette passion du lama ? Très impressionnant ce talent de concentration. Moi, je pourrais clairement pas continuer de parler normalement si un truc bizarre se passait à côté de moi. Mais voilà, on se moque un petit peu, mais on voit clairement que le mec se tape une barre. Excellente vanne ! Yeah ! Non ! Oh la loose ! Je connais. Pour info, ceci ressemble exactement à la façon dont je me masturbe. Oh ! De l'humour, de la finesse, tout ce qu'on aime. En parlant de sexe, parce qu'il m'arrive d'en parler, je crois que le caméraman est en train d'un peu prendre son pied, car si on augmente beaucoup le son de la vidéo, voici ce qu'on entend. Putain, oui. Oui, putain. Putain, oui, vas-y, comme ça. Mais oui, non putain. Huge respect for ce mec, car il nous montre que peu importe qui on est, si on a envie de faire quelque chose, nous pouvons l'accomplir. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire du pole dance, Samuel et moi. Samuel et toi ? Un chien et un ventilateur. Non ! Mesdames et messieurs, le lac des cygnes. C'est beau. Par contre, nettoie ton ventilateur. Tuez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce que je déteste le plus sur YouTube ? La chaîne de ce mec où il ne filme que ses pieds. Quoi ? Avec des titres de vidéos comme Aération de mes gros pieds odorants dans les bois. En 2013, Quoi ? Mes gros petons toujours aussi fumants. Ourson Quoi ? De la soumission de mes gros pieds qui puent. Et tu Quoi ? Oses te plaindre ? Et tous les commentaires sont en mode j'aimerais sentir ses pieds chauds autour de ma bite dure. Mec sexy avec des pieds délicieux. Tes pieds ont l'air si chaleureux, doux, en sueur et reniflables. J'aimerais que tu insères deux orteils dans mon nez, que tu attrapes mon visage avec, que tu me forces à les faire entrer dans ma bouche. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous montrer, parce que ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les vidéos d'art contemporain. Tu vas encore être réducteur et dire que c'est de la grosse merde. Mais bien sûr que oui. L'œuvre s'appelle La merde, la merde, la merde. Je pouvais pas l'inventer. Et c'est un mec qui fait de la peinture avec son cul, voilà, je l'ai dit. Non. Il fait de la peinture avec un pinceau dans le cul. Oh mais non. Et comme je peux pas montrer ça comme ça, je vais devoir censurer un petit peu. Donc veuillez m'excuser par avance pour cette immonde tête de cheveux. Mais non. Mais prends un passon plus grand au moins. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi je... Mais... On aurait fait du Suno, on serait en train d'écrire des paroles mignonnes, et là je regarde un mec avec un pinceau dans le cul. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Gentil, ok, je me suis un peu énervé hier, mais oui, je m'énerve pas souvent non plus. Oh. C'est la dernière fois que je fais un poll. Une fois de plus, ses parents doivent être extrêmement fiers de lui. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est depuis quand est-ce qu'écrire avec un pinceau dans le cul est considéré comme une forme d'art ? Tu saurais pas où est mon pinceau ? Dans ton cul ! Merci. Ça aurait pu être clairement pire s'il avait fait de la sculpture. Oh mais tu oui, mais pas non. Où sont mes blocs de pierre ? L'artiste en question nous a quand même fait l'honneur de nous expliquer son œuvre dans la description de la vidéo. Le travail est principalement caractérisé par la recherche sur les traditions archaïques visuelles, Quoi ? Les tabous et le corps social, détourner les cris, le geste de sa formulation traditionnelle dans la culture coréenne et l'inscrire dans une performance plasticienne pose le problème de l'art et de la communication, mais aussi du rôle du corps dans la société et de la congolésicomatisation de l'art. Mais un mec qui fait des dessins avec son cul. Cette vocation depuis tout petit. Plus tard, je me mettrait des pinceaux dans le cul. Moins que le pauvre ait été forcé par ses parents. Comment ça tu veux devenir médecin? Il en est hors de question. Toi tu vas te mettre des pinceaux dans le cul comme le faisait ton grand-père. Et puis sérieux, je suis sidéré de voir à chaque fois le public être aussi réceptif et attentif à tout ça. C'est parce que t'as pas les outils culturels pour comprendre. Putain, je te souhaite les...
Zoreillon. Il y a que cette fille au début qui est en mode putain, mais qu'est-ce que je fous là? Nous pouvons aussi noter la présence de ce couple trop mignon. Je t'avais promis un spectacle romantique pour la Saint-Valentin. Tout de même, pour ne pas apprécier cette œuvre, il faut vraiment avoir un balai dans le cul. Après avoir dit beaucoup trop de fois dans cette analyse la phrase dans le cul, j'ai décidé de remplacer le mot cul par des noms de monuments célèbres. Je ne sais pas ce qu'il a écrit sur sa feuille, mais apparemment ce serait du coréen. Donc si les personnes arrivent à traduire ce qu'il a écrit avec son arc de triomphe, ça m'intéresse beaucoup. Et puis sérieux quoi, le titre de la vidéo. La merde, la merde, la merde, la merde. N'empêche, huge respect pour ce type aussi. J'ai essayé de pendre avec mon opéra de Sydney, ça s'est pas passé exactement comme je le voulais. Et maintenant, ce pinceau vit en moi. Ah, mon Dieu. Après avoir vu un mec énervant peindre avec sa grande muraille, il est grand temps de passer à l'homme le plus cool du monde. Je vous présente Gaëtan. Qui ne fait pas du pole. Mais on l'a déjà vu, Gaëtan. Qui a décidé pour la nuit de l'antre 2013 et 2014 de passer la nuit en forêt comme Raon. Et on l'a déjà vu, c'est pas lui qui cherchait une meuf. Ce mec est trop cool, comme la vidéo. Et je me suis dit, tiens. Ah non, c'est pas lui. Mais comment il faisait Raon pour faire le réveillon? Par exemple, pour passer d'une année sur l'autre. Donc bah j'ai oui, décidé de partir dormir dans la forêt, enfin dans la nature, pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Alors j'ai pas de chien, j'ai fait un slip avec ce que j'avais. Et là il y a le couteau d'Araon, mais j'en ai un qui, un vrai qui coupe parce que celui-là c'est, il est en plastique. Alors j'ai une gourde avec de l'AST, parce que la gourde il l'avait inventée. Bien sûr, une et l'AST aussi. Une vessie de l'autre, je crois. Puis je voulais trouver une peau de bête, mais il n'y en avait plus. Et avec des peaux de zèbre, et vraiment, il tue pas les zèbres. Donc ça, on fera comme si c'est la peau de bête. Là, je vais la mettre parce que déjà, il caille. Mais donc, oui. Maintenant, il mettait ça sur un caillou. Et puis, ça indiquait la direction où... Quand le slip, ça rentre un peu. Quoi? Il devait avoir des cailloux spéciaux. Des cailloux spéciaux. Alors déjà, on touche pas aux cailloux, on respecte les cailloux. Ouais, d'accord, il tirait au sort, quoi. Oh merde, en plus on voit bien qu'il s'est vautré déjà, le pauvre. Ah, ça pique, ça. Mais oui, c'est du sunak vénéneux, fais très attention. Mais pourquoi tu fais ça? Et Raon, c'était un chasseur. Mais tu vas mourir, tu passeras pas une soirée, toi. T'es pas équipé pour la nature. Bon là, c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de... De Diplodocus, tu vas voir. Ben, je sais pas, un troupeau de quoi? Un troupeau de bananes. Ah ouais. Il peut se mettre à l'abri souvent. Non. Parce que... Bon, il y a pas de vent, mais... Il y a même des étagères. Non, mais c'est un gag. C'est un gag. Il est pas sérieux. Tu vas te faire mal. Ça y est. On va pouvoir faire cuire... Eh ben, j'ai rien pris, tiens. Là, ça change tout. Ce mec est extraordinaire. Il a une imagination incroyable. Il est totalement fou. On dirait qu'il en a trop pris, gros. Mais oui, mais c'est exactement ça. On croirait clairement voir un enfant qui s'éclate sur un nouveau jeu. Et à chaque fois, c'est l'enchaînement joie, désillusion. Comme par exemple ici. Donc maintenant, il mettait ça sur un caillou. Ou bien là. Ah non, il suivait pas forcément les chemins. Hein. Ah, ça pique, ça. Mais oui. Mais le oui, meilleur exemple de cet adage, il se trouve ici. Par contre, dans les livres, hein, on sait jamais comment il fait pour aller aux toilettes, par exemple. À mon avis, il s'essuyait avec des plantes. C'est un sketch. C'est un sketch, c'est pas possible. C'est marqué nulle part. Hein. Non, il est premier degré. Avec une feuille, ça marche. Ah non, ça marche pas très bien, en fait. Mais... Mais il passera pas la nuit, c'est dangereux, monsieur, faut pas faire ça quand on sait pas. Wow. J'ai essuyé mieux que ça parce que c'est pas... Non, c'est un gag. Y'a pas à dire, le papier, c'est ce qui essuie de mieux, en fait. Hein. Moi, j'utilise un tabouret pour ça. Avant, il était blanc, bordel de merde. Non, mais c'est vrai que les feuilles de papier, c'est mieux pour se torcher la statue de la liberté que des feuilles mortes en hiver. Mais vous savez ce qui est encore meilleur pour ça? Un pinceau. Exactement. Ou un chat. Mais non. À ce moment-là. Un troupeau de bananes. Un troupeau de bananes. C'est dangereux. Monsieur le Président, nous sommes envahis. Envahis? Les extraterrestres? Non. Bien pire que ça. Un troupeau de bananes. Oh mon Dieu. Elles sont de retour. Oh. Bananes, ah ouais, faut pas prendre n'importe quelle feuille. Je te rappelle. Le papier de verre, par exemple, je te conseille pas. Avec de l'AST.
que la gourde, il l'avait inventé. Et il avait inventé le iced tea aussi, peut-être. Ceci dit, les hommes préhistoriques avaient inventé des trucs aussi, comme la Ben & Jerry, la vaseline, le Blu-ray, ou bien la Corona. La Corona, c'est trop bon, la Corona. Mais en fait, tout ça, c'était de la faute d'Antoine Daniel. Bon bah, alors j'ai décidé de partir en survie dans ma chambre, avec une bouteille d'eau et puis tout le reste. J'espère que ça va bien se passer. Le man versus wild du pauvre. Il est bien loin le temps où nous devions boire notre urine pour survivre. Je me souviens d'ailleurs de l'époque où je dis, mais si on faisait un film Pokémon réaliste, ça ressemblerait exactement à ça. Mais non. Oh mais non. C'est vrai que 60 ans, hein, ce qui n'arrive relativement mais oui. jamais en fait. Puis ça, quoi. Ah, je me suis mis trop près du chauffage. Mais oui, tu vas crever. Il se trouve que cette vidéo a été mise en scène consciemment par ce gars étant qui est un original et qui n'arrête pas d'essayer de faire rire la galerie. Ah bah voilà. Cette expression est totalement nulle. En tout cas, huge respect à lui car il a fourni une de mes vidéos préférées de tout l'internet français. Bien mieux que cette fille qui peint avec son vomi. Quoi? Ah non, non, non. Je ne veux pas vous montrer ça, mais sachez qu'elle le fait vraiment. Voilà, cet épisode de What the Cat est à présent terminé. J'ai pas confiance, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans ce mec une seule seconde. Les cheveux, c'est très aimable à vous. On se retrouve pour les 2 ans de What the Cat. 2 ans déjà. D'ici là, soyez sages et faites gaffe à votre monde. Déconne pas, hein. Ciao. Ok. Ok. Ok, on va pas prendre de risques. Ouah. On ne peint pas avec son vomi. C'est pas bien. Alors. Boum. Non, je me suis trompé encore, ta gueule. Voilà. Non, mais depuis que je suis devenu musicien, attention. Hein. Tout ce qui rentre dans mes oreilles doit être... Non, je déconne. Mais évidemment, on sait rien. C'est juste que j'aimais pas. Alors, tac, tac, tac. Google Doc. Ça, c'est fait. Boum. Celui-là. Boum. Je me suis trompé, je reclique, boum, j'ai le lien. Je te donne l'heure, il est 22h02 et on va regarder, je vais te le dire tout de suite. Tu patientes. On regarde donc le What the Cut 32. Patate, pelle et piano. Je commence à adorer, alors tu me diras, je crois que c'est bientôt fini, mais j'adore son jeu des trois mots dans le titre. T'as compris? Non. Mini Pierre, grand écran, lecture. Je ne sais pas qui est cet homme. Que ça soit clair. Il y a bien longtemps que je cherche à me venger. Oh putain. L'oppression a suffisamment duré. J'ai soif, je vais me prendre un truc à boire. 20 épisodes que je suis présent et il me traite comme un sous-fifre. Toujours lui avant moi, pas une seule augmentation de salaire depuis le départ. Un jour, je l'exterminerai, je prendrai sa place. Et viendra enfin le règne de Richard le Grand. Richard, tu parles quand tu dors. Sérieux? Ouais. Oh putain. Et pour l'augmentation du coup? C'est mort. Putain de merde. Salut bande de pineux. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pouvait bien être le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est par là. Il se trouve que le sens de la vie a été révélé dans la première vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui. Ah, tu sais pas, je putain incroyable. C'est un extrait d'un reportage se déroulant sur l'île de Malte. Vous savez, ce tout petit. Bonjour mes amis influenceurs. Pays d'Europe. Et ce reportage parle de la culture de la pomme de terre là-bas. Et là, vous vous dites certainement, waouh, un reportage sur la culture de la pomme de terre à Malte, voilà exactement ce qu'il manquait à What the Cut. Eh bien, vous avez étrangement raison, car le personnage principal de cette vidéo est un cultivateur de patates à Malte. Patates à Malte, putain. Est un cultivateur de pommes de terre à Malte et il a une vision très personnelle du sens de sa propre vie. I have potato blood in my veins. Ok, un passionné, j'entends. My life, it's potato. In your working life and your living, it's always potatoes. I dream of potatoes. Bien sûr. When we are going to harvest, in your mind and in your heart, you feel that you are going to export that potatoes and you are not going to see it anymore. Bah oui, les pauvres. The family thinks always from morning to evening about the potatoes. Elle parlait de quoi cette vidéo déjà? Ce reportage est une source d'inspiration infinie. Elle nous permet de nous faire des réflexions d'une profondeur inégalée. Ma vie est une patate. Mon amour est la purée.
Regardez-moi ça, ceci est le véritable visage de la passion. Moi, j'aime bien manger des patates. Quelqu'un qui vit pour ce qu'il aime, c'est magnifique. Je n'ose pas imaginer sa réaction quand il a des pommes de terre dans son assiette. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pommes de terre sautées. Pour rester sur l'émission et la poésie, revoyons ce passage qui ferait pleurer n'importe lequel d'entre vous. When we are going to mais oui your mind and then your heart, you feel ça c'est comme quand tes enfants quittent la maison, c'est horrible. Vous sentez l'émotion qui monte en vous. Dire au revoir à un tubercule est toujours mais déchirant. Oui, bien sûr. Pommes patates, ne partez pas. N'empêche d'avoir cette obsession oui. Qui doit être super chiant pour les gens qui l'ont rencontré. J'ai eu un ami courgette, ça a été terrifiant de séparation. S'il vous plaît, bordel de merde. Non mais les phrases qui peuvent sortir, on dirait une sorte de lettre de motivation d'une personne qui veut extrêmement rentrer dans une entreprise. Pourquoi est-ce que je devrais prendre vous plutôt qu'un autre dans mon entreprise de sacs poubelles? Les sacs poubelles, c'est toute ma vie, putain. Je pense aux sacs poubelles tout le temps. Non mais... Prenez-moi, je vous en supplie, putain. Il est marqué pénis sur son écran. Bon. Je vis pour eux, je mange. Regardez. Poubelles, putain. Je les mange. Rigolo. Prenez-moi, je vous en supplie. Oui. C'est pour le travail. Ah. Punchline périmé. Pour parler du reste de la vidéo, ce que je retiens particulièrement, c'est cette scène. Le désanusseur te vous présente ses plus belles pommes de terre. Ou bien l'ultime plan de la vidéo. Ce sont mes pommes de terre. En vrai, je déteste être méprisant et prendre de haut. Ce mec a une passion différente de la nôtre, mais il a l'air parfaitement épanoui, et c'est tout ce qui compte. Son amour de la pomme de terre m'a d'ailleurs inspiré une chanson très émouvante. Quand je pense à... J'ai vu... Ah, c'est là. Ok, je vous la remettrai. J'ai vu une vidéo d'un mec comme ça, il est éboueur et il est hypé. Mais il faut voir comment il est super content de faire son taf. Il court de partout, il cabriole, il met dans le truc, il kiffe. Il fait plaisir à voir. Attends, je te la remets au début. Désolé d'avoir coupé là. Alors attends, ici, hop là. Sont très émouvantes. Quand je pense à toi, je suis patate. Quand je pense à moi, je suis patate. Quand je pense à nous, je suis patate. Quand je pense à vous, je suis une tomate. Non. Vous savez ce qu'on n'avait pas vu dans What the Cut depuis longtemps et qui manquait grave? Une vidéo en provenance d'Europe de l'Est. Oh ouais, j'adore quand tu fais « c'est normal » en Bulgarie, est le pays où nous allons nous rendre pour cette deuxième vidéo. Et un bon conseil, si tu veux passer un bon moment en Bulgarie, ramène ta pelle. Comment? Dorée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il fait ça? Mais non! Mais non! Pas dans le cul, quand même pas dans le cul. Franchement, j'arrive en Bulgarie, je... Quoi? Mais... Et le chien? Voilà une bien étrange façon de rouler des pelles. Merci. Est-ce que c'est ça la danse nationale en Bulgarie, se taper la tête avec une pelle? J'arrive en Bulgarie, je vois ça, je me barre. D'ailleurs, eux, je redémarre. Que c'est avec une pelle que ça commence à danser, pas avec autre chose. Hey, tout le monde danse. Quoi? L'attitude de cette mère et son enfant me pousse à croire qu'il s'agit d'un spectacle normal et quotidien. Ces gens sont-ils tellement habitués à voir des trucs extraordinaires tous les jours qu'ils en auraient plus rien à foutre? Ah tiens, j'ai une blague là, ces deux blondes elles sont dans un ascenseur, il y a l'une qui dit à l'autre: et non, ça sentirait pas un petit peu le sperme par ici? Et l'autre lui répond: bah c'est normal, j'ai roté. C'est nul. Oh, je suis pas le dernier. Salut Gavin. Autre chose, j'adore le moment où son pote lui prend la pelle pour qu'il le frappe à sa place. Mais oui. J'en ai marre de me défoncer la gueule à coups de pelle. Tu veux pas prendre leur lait? Non mais sérieusement, le seul individu en tant soit peu sensé sur cette vidéo, c'est ce putain de chien. Mais oui. Exactement. Face à ces personnes en fort état d'ébriété, je me retrouve un petit peu perplexe par rapport à certaines de leurs attitudes. Attendez, il faut que je cherche un truc au fond de mon cul. Quoi? Faut que je me racle les testicules. Quoi? Ça fait du bien. Je fais l'amour au sol pendant que tu me frappes avec une pelle. Oui. Un des grands instants mémorables, c'est quand on a l'impression que ce mec a une révélation soudaine. Je peux frapper avec cette pelle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec? Oh, attendez, j'ai trouvé. Il le fait tellement bien. Frapper avec? Oh, attendez, mais c'est la même chose. Je peux comprendre l'utilisation de la pelle en toutes circonstances, ça peut être un excellent moyen de défense. Ou peut-être que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'il s'agit d'un symbole religieux et que ceci est une prière. Bonjour,
Auriez-vous 5 minutes à accorder à l'église de la Sainte-Pelle ? Non, je les imagine beaucoup moins accueillants que ça. Tu rejoins notre religion, sinon... Et je vous rappelle que je s'appelle Pierre. La Sainte-Pelle. La tradition est que pour son baptême, chaque enfant se fasse défoncer le crâne. Pardon ? Pour revenir à la vidéo où Mario défonce sa race à Luigi, attardons-nous un moment sur ce troisième protagoniste. Il semble dégoûté de ne pas être invité à cette petite sauterie. Mais oui, le pauvre. Mais j'ai une grande moustache, alors ça va. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une tradition nationale bulgare ? Alors je me rappelle d'une autre vidéo bulgare où un mec tape la tête de son pote avec une pelle similaire avant de se réconcilier miraculeusement comme si de rien n'était. Est-ce que c'est ça le pouvoir de la Sainte Pelle ? Bien sûr. Qui sont ces hérétiques ? C'est moi le seul et unique dieu ! La Sainte Patate est une escroquerie. Louée soit la Sainte Pelle. Oui, la Sainte Pelle. Cette mission n'a plus aucun sens. Oui. Vous savez, il y a un tas de vidéos sur internet que je n'arrive pas à expliquer. Comme par exemple les vidéos de Steve dont la chaîne est entièrement consacrée à lui, coupant les cheveux de petites poupées représentant des petites filles. Non, c'est encore un truc dégueulasse, ça c'est encore un truc dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Putain, j'adore Internet. Je vous jure, hein, j'essaye d'être tolérant, mais il y a des trucs que je capte pas. Certainement pas. La dernière vidéo que je vais vous montrer dépasse de loin les frontières de la logique et de la raison. Il s'agit une fois de plus d'une vidéo d'art contemporain, oui je sais. Ce sera certainement la dernière que je traiterai, parce que sinon on va dire que je m'acharne. Bouge pas. Et surtout pour faire mieux que celle-ci. Je pense qu'il faudrait y aller. Âme sensible, s'abstenir. Vous êtes prêts ? Bien. Faites venir les têtes de chevaux ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? Ouais, je sais ce qu'il cherche à faire, le vieux. Ouais, je connais. Ne pas s'énerver. Tout d'abord, disons-le, il s'agit d'une œuvre du peintre Natto que nous pouvons voir sur cette photo. Oh. Bien celle-ci. Ah. Ça donne envie, hein. Que peut-on dire ? Que ces gens ont l'air Je vais de me mettre à la peinture bientôt, s'amuser. Bien sûr. Pas s'énerver. Avec une IA, calme-toi. Une musique originale et intéressante. Ne pas s'énerver. Et en plus, il récite l'alphabet, c'est un peu ludique. Ne pas s'énerver. Ah putain, cette performance n'a aucun putain de sens. Voilà ce qui se passe quand on distribue de l'extasie dans une maison de retraite. Sur le putain d'épisode de Derrick. Le pire, ce sont les témoignages des gens à la fin. Son air quand il est touché, en fait il a un vrai geste de pianiste. Ouais. Quoi? On sent qu'il a appris le piano. Quoi? Et c'est un vrai pianiste. Un vrai Pardon pianiste. Ça c'est un vrai pianiste. Ça c'est un vrai pianiste. Ça c'est un vrai pianiste. Ouais. Ça c'est Gandalf obèse qui fracasse un piano debout. C'est peut-être ouais. un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup ouais. de merde. Je me demande sérieusement ce que font ces gens dans la vie quand ils ne font pas ce genre de performance. Est-ce que du fait que tu sois institutrice... Institutrice ? Pardon ? Sérieusement ? Et maintenant les enfants, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer ma chatte ! Oh. Il y avait une joie absolument incroyable. Incroyable, et c'est ce que j'étais en train de dire à Claude sur le phénomène des pianos et Quoi le néo-réalisme italien. Quoi ? Oui, le néo-réalisme italien, oui, je me branle les couilles dans ton caca. Oh oui, j'adore le caca. Oh nom 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 nom. Pourquoi est-ce que quand moi j'essaye de faire ça, je finis en prison ? Putain, mais c'est n'importe quoi, c'est en train de me rendre fou ! J'appelle mon sosie officiel pour qu'il me remplace ! Waouh ! Oh, il fait des effets Bonjour. À chaque fois qui sont surprenants. Je suis Antonios Danielos. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est quand le monsieur fait des léchouilles à la madame entre les jambes sur le Quoi piano. Quoi Car oui, il le fait vraiment. Le lien de la vidéo est dans la description. N'hésitez pas à leur mettre un pouce vert. Bah oui, j'ai testé parce que je voulais faire les maternelles. Quoi Mais il y a un problème de faire dans les maternelles parce qu'ils n'aiment pas le piano. Quoi Voilà. Tu vois, c'est le son des pianos qui dérange les petits enfants parce que ça résonne fort dans la tête. Quoi Natto, tu es un être tellement peu conventionnel. Dire que tu veux faire ça dans les maternelles fait de toi un être tellement subversif. Fuck the police. YOLO. Je me demande tout de même si ce monsieur a eu des enfants et des petits-enfants et qu'est-ce que ces derniers peuvent bien penser de l'œuvre de leur grand-père. Ah, je suis tombé sur cette famille. Et puis qu'est-ce que c'est que cette façon d'apprendre de l'alphabet totalement aléatoire? Comment est-ce que vous voulez que j'apprenne dans ces conditions ? Mais oui, c'est le bordel. Remarquons ce caméraman juste ici et qui, je pense, va passer une excellente soirée en regardant ce qu'il a filmé sur son petit ordinateur non, dans sa chambre. Pas ça. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oh.
Que ces gens s'éclatent à faire ce qu'ils aiment, moi je trouve ça fantastique, pour de vrai. Mais de là à dire que c'est une forme d'expression artistique, sérieusement, arrêtez de vous branler de faire n'importe quoi. Le moindre connard avec aucun talent peut trouver un concept pour tenter de justifier son manque abyssal de dons artistiques. Pour leur défense, notant qu'ils n'avaient aucunement l'air condescendant, ce qui est plutôt louable et plutôt rare dans ce milieu. Putain, c'est quand même une barbe qui a la classe, bordel de merde. Voilà, cet épisode 32 de What the Cut est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir fêté avec moi les 2 ans de cette balançoire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 33 de What the Cut, plus de nouveaux projets qui sont déjà en préparation à l'heure actuelle. D'ici là, portez-vous bien et que la sainte pelle ou la sainte patate soit avec vous. La sainte pelle. Bien sûr, il ne s'appelle Pierre. Attends, j'ai perdu ma souris. Je la cherche, pour de vrai, je te jure. Elle est là. Hop là. Hop là. Boum. Alors, dour. Putain. Réveille-toi, Pierre. Alors, ce... Non, toujours pas. Cet épisode dure 12 minutes. D'accord. Mais ils sont pas si longs que ça. À part le 37 qui dure 42 minutes, moi, je m'attendais à plus que ça. Hein. On regardera autre chose après. On refera un vote et tout. J'avais dit que j'arrêtais les votes, mais on en fera un quand même. Alors, boum, toc, toc. Il est 22h16 et on va regarder le numéro 33, c'est Dans Bateau et Génie. Je crois qu'on parle de moi. Alors, bing, ça c'est bon. Mini Pierre, boum, grand écran. Bébé, je suis juste là. Non. Toi-même, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Quelque chose que j'ai au plus profond de moi. Bébé. J'aime mettre mon pénis. SLG. Ok, d'accord. Pardon. Oh oui. Wow. Alors c'est marrant parce que j'ai un pote, hein, il fait ça avec des truites. Salut bande de manches à couilles. Quoi ? Est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, tu t'es déjà brossé les dents, personnage inutile qui ne reviendra jamais, c'est une question rhétorique, ta gueule. Mais est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents avec un flingue ? C'est pas vrai, ça marche vraiment ? Non mais t'es con, pas comme ça ! Avec une brosse à dents accrochée sur un flingue. Cette vidéo nous vient d'une chaîne japonaise. Mais chaîne japonaise qui s'appelle Tokyo FN. Mais pourquoi ? Et c'est une des vidéos les plus idiotes que j'ai pu voir depuis un petit bout de temps. Quoi ? Mais il est idiot. Tu vas t'éclater. Mais oui. Mais... C'est un petit airsoft, mais bon. Ah, vivement que ce jeune garçon découvre la magnifique industrie du sextoy. Mais qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de ce jeune homme quand il a décidé d'assembler un pistolet Glock 18 de 22,4 cm, un objet long, dur, poilu que l'on fait rentrer dans une cavité humide avec un certain mouvement de va-et-vient. Faisons l'amour. Le pire, ou le meilleur, selon vos goûts et vos valeurs, c'est qu'il a fait plusieurs vidéos du même genre avec différents types d'armes. Mais... Ok, mais... Pourquoi ? De plus, on voit clairement que ça lui fait bien mal, mais il continue. Ah, c'est pas facile de trouver un concept d'émission, hein, on va pas se mentir, mais quand même. J'adore son t-shirt. Jolie collection de chapeau. Cette vidéo ne fait tout de même pas de lui quelqu'un de stupide, c'est juste un gars qui s'amuse. Ouais, je me brosse les dents tous les matins avec une grenade, je vois pas où est le problème. Richard, tu n'as pas de dents. Exactement. Salut Gwen. Ça aurait été quelqu'un de stupide s'il l'avait fait avec de vraies armes à feu. Le nombre de meurtres par balle aurait explosé. Qu'est-ce que nous avons là, inspecteur ? Un homme, 26 ans, 74 balles dans le corps. La balistique indique qu'il se trouve à peu près à 3 mètres de l'arme lorsque les coups de fond ont été tirés. C'est pas joli joli. Il était transpercé de part en part, comme l'indiquent les projections. On a retrouvé des balles de 22 longs rives dans la plupart des murs. Je n'ai absolument rien compris à ce que vous venez de dire. Une idée de qui il peut s'agir ? Comme une victime accidentelle d'un mec qui se brossait les dents. Eh bien, on peut dire que l'assassin avait... une dent contre lui.
Je m'attendais tellement pas ça. En passe de devenir la nouvelle arme à la mode. Personne ne bouge. C'est un braquage. Attention, il a une brosse à dents. Je rêve d'une banque qui se ferait braquer par une brosse à dents. Non mais t'imagines, on se chierait dessus à chaque fois que quelqu'un se brosse les dents. C'est bon, t'as fini? Ouais, je vais juste prendre une douche maintenant. Oh non! Après, ça reste involontaire, donc si un drame se produit, ça reste une excuse valable. Mais t'as tué mon frère, putain! J'ai pas fait exprès, je me brossais les dents. Oh, si tu te brossais les... Top! Si c'est pour le travail. Beaucoup trop à une autre. Voire même deux autres. Après, ah, quelles sont les solutions pour éviter ce genre d'incident lorsqu'on se brosse les dents? Moi, je crois que j'ai trouvé la solution. Oh putain! Ouf, oh oui putain, oh oui t'as trouvé. Ouh. Pour terminer avec cette sombre histoire de brosse à dents, le seul commentaire français que j'ai vu sur cette vidéo c'est... C'est quoi ce connard de chinois MDR? MDR lolix paysan. Paysan. Que diriez-vous d'une petite promenade en barque sur une rivière? Ah, le doux bruit de l'eau, le soleil, la brise dans vos cheveux. Laissez-moi vous offrir ce petit moment de poésie dans cette émission un peu trop sale qui est What the Cut. C'est bucolique. Il y en a un autre qui m'a des doux. Bravo monsieur. C'était pas dans les cheveux qu'elle était. Non. J'adore comme le pêcheur se branle. Branler sexe. Passe à la suite. Se branle de ce qui se passe sur la rive. J'espère que je vais empêcher une grosse aujourd'hui. D'ailleurs, de l'autre côté, ils s'en foutent aussi, ce qui est un cruel manque de politesse. Hé, hey, salut José, ça va? À cette île tout étant, je pense que c'est typiquement le genre de vidéo qui va avec toutes les musiques du monde, encore une fois. Et on fait tourner les sérieux. Mais non, non. Comme des petites girouettes sur la grande mare des canards et s'appeler les copains d'abord. Ah, moi, celui qui me termine, c'est celui qui se branle à côté. Ah ouais, ça marche. De ouf. Bon oui, surtout la musique du JT de TF1. Oui. Il faut tout de même admettre que le meilleur personnage de cette vidéo, c'est mais ce c'est gars. Lui là. Debout, là, au calme. Ou enfin au calme. Au sens de sa non, 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 il se branle. Qu'est-ce que tu dis là, Antoine? Ha! Il a une top dans la main. Cul. Cet homme en pleine activité de voyeurisme a plus l'air d'être un inspecteur du travail qu'autre chose. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Bah pour un tournage, squal en général, on met des caméras. Non, en vrai, cet individu est probablement en train de se toucher allègrement. J'aime masturber dans les hautes herbes. Bah y'a pas de caméra. D'ailleurs, faites attention les enfants, des Pokémon étranges rôdent dans les hautes herbes. Ou il bouge pas le poignet parce qu'il voit le bateau arriver, il a la main quand même bien dans bien le pantalon. Peut-être juste en train de tourner une vidéo sur la flore de cette jolie campagne. D'ailleurs, si on augmente le son venant de sa direction, on peut clairement entendre... As-tu vu les canoilles? Waouh. Non mais t'imagines le genre de les pédestres que ça va donner pour les colonies de vacances. Or, les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Moi je dirais que c'est une grive. Ouais, peut-être. Une grive rieuse. Je me demande quand même comment ces trois personnes se sont organisées pour accomplir leur petite sauterie champêtre. Ouais, Jean-Paul, tu viens demain au bord de la rivière? Avec Brigitte, on va se faire un pique-nique. C'est tout de même un superbe porno involontaire. Je suis sûr que notre ami pêcheur ne s'imaginait pas faire carrière dans le X. José le pêcheur, dans... Brutal Anal 4. En plus, ça m'a fait hyper plaisir de parler de cette vidéo. Quoi? Je l'avais vu bien longtemps avant de commencer What the Cut, du coup ça m'a fait super plaisir de la retrouver et de vous en parler. Ah, vous vous souvenez de l'époque où dans What the Cut, je ne montrais pas des trucs dégueulasses ou glauques? Non. Moi non plus. Partons en Finlande, les amis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Finlande, déjà, sérieusement, et ensuite... Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Ça, c'est la bite. Ça, c'est les couilles. Oui, mais bah, tellement. Merci, professeur Pédoncule. Nous n'allons pas parler d'une vidéo, mais d'une chaîne entière. Celle-ci s'appelle Tiki Levitz et contient plus de 2300 vidéos. Tu vas nous parler des 2300 vidéos, j'espère. Ah bah carrément. Et c'est la chaîne d'un seul homme qui nous est fièrement présenté quand on arrive sur son site internet. Laissez-moi vous prévenir à l'avance, cet homme est un génie absolu. C'est parti. Ah. Mmh, jusqu'à là, ça va. Pardon.
Bonjour enfant, si tu m'entends, que tu suis le live. Si papa faisait ça, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Ce petit ange qui tournicote est dans la vidéo originale. Pourquoi utiliser une image religieuse pour parler d'un truc bizarre qui se passe dans une vidéo? Les patates. Je sais pas, imagine, t'ouvres ton frigo et... J'avoue. Une superbe méthode dissuasive pour éviter les pratiques de grignotage. Tiens, je mangerais bien un petit truc, moi. Tu m'étonnes. Le régime. Quand il est dans un réfrigérateur avec un ange en gif animé qui lui tourne autour du pénis, on peut dire que ce monsieur a un sacré sens du rythme. Sur YouTube, on peut voir que les trois pays scandinaves sont extrêmement bien représentés. En Norvège, ils ont... Ding 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 ding. En Suède, ils ont... Oh no, what are you doing with your legs? Et en Finlande, ils ont... La France devrait avoir honte, messieurs les mais députés. Oui. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? 2300 vidéos sur sa chaîne et la plupart sont aussi incroyables que celle-là. Genre ça. Ah. Mais... Ah, il est sur un trampoline, ok, d'accord. Pourquoi? C'est de la merde. En 2150, c'est comme ça que les archéologues effectueront leurs recherches. L'humanité, c'est de la merde. Ouais. Superbe tenue vestimentaire par ailleurs. Slip rouge, guide-moi vers ta lumière éternelle et ta majestueuse sagesse. C'est tes parents. Pourquoi tant de haine, slip rouge? Quand je vous parlais du fait que ce mec avait un sens du rythme absolument fantastique, je vous avais pas menti. Ah, je m'attendais pas à ça, y'a rien qui va. Le peignoir, le chapeau. Chapeau. Oh mon dieu. Oh, il souffre. Je ne sais pas ce qu'il souffre, l'instrument ou l'homme. Oh. Il ne sait pas ce qu'il fait, hein. Ah, c'était lui à côté dans la vidéo précédente. Un morceau comme celui-là pourrait très vite devenir un classique, au même titre qu'un 4-33 de John Cage. Pour info, 4-33 de John Cage est une pièce musicale en trois parties composée d'aucune note. Oui, oui. Réellement. Comment ça? Du coup, je suis sûr que ce serait fantastique de voir notre génie en concert dans une salle de prestigieuse. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et c'est loin d'être la seule vidéo musicale du monsieur. Mais... Performance incroyable. Wow. Moi aussi, je vais essayer de faire un truc similaire. Pas mal. Mais du coup, si on combine son morceau au tuba et son morceau à la batterie, ça donne quoi? Oh putain, je viens d'avoir c'est un objectif. Oh putain, oh, ça coule. Ah voilà, ça coule, ça coule. Ouais. Rien à dire de plus sur ce gars, si ce n'est qu'il a parfaitement raison de continuer à se taper des grosses barres et à les montrer au monde entier. D'ailleurs, je vous conseille très fortement de vous taper la plupart de ses vidéos. Il y a des perles absolument partout. Ah ouais. Partout. 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 Voilà, cet épisode 33 de What the Cut est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Que vous vénériez la sainte pelle, la sainte patate ou le slip rouge, aimez-vous les uns les autres, la bordel sainte de merde. On se retrouve dans bien deux sûr. Semaines. Oui, oui, deux semaines. Pour l'épisode 34 de What the Cut, d'ici là, portez-vous bien et à très très vite. Et grâce à moi, tu voyages dans le temps, tu n'as pas besoin d'attendre 15 jours, tu vas pouvoir la voir dans 15 secondes. À peu près. Avec 15 ou 20 secondes de retard. Ok, alors. Grand-Pierre. Coucou. Toc, c'est le 34, c'est celui-là. On est chaud, on est bien lancé. Hop, hop. Un copier-coller, on est parfait. Il est 22h29. On va se regarder l'épisode 34, liquide, mer et poney. Normal. Ici. Mini-pierre, grand écran. Lecture. Antoine! Oh, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est pas important, on a enlevé Samuel! Quoi? Les ravisseurs ont laissé une lettre. Mais ça dit quoi? J'en sais rien, je sais pas lire. Non. C'est...
extrêmement mal écrit. Bon, où est-ce qu'on peut les trouver, ces types? Ces abrutis ont laissé leur adresse sur l'enveloppe. Non mais ça existe vraiment, rue des Pépites? Bien sûr. Non, il a une brosse à dents! Ces gars-là ont pas l'air de vouloir rigoler. Pourquoi vous nous avez volé Samuel? C'est qu'un ventilateur, ça a aucun sens, putain! Ouais, ça a aucun sens, putain! Alors pourquoi vous tenez tant à le récupérer? Ouais, pourquoi? Parce que c'est mon ventilateur! Et en été, il fait super chaud, putain! Ouais, il fait chaud en été! Je suis pas d'accord. Cette bataille risque d'être longue et dure. Allez, c'est parti! Jesus is back once again! Samuel est juste là! Il est attaché, non? C'était un piège! Je crois que ça va pas être possible. Comment faire? Il a l'air coriace. J'ai un plan. Oui, mais tes plans, Antoine, je veux dire, ils sont souvent un petit peu foireux. J'aimerais pas. C'est qu'un ventilateur, je sais pas, faudrait qu'on trouve une autre solution. Mais oui. J'aimerais pas comprendre. Parler. YOLO! Excellent. Salut bande de bouffons à foutre! Les conventions sociales vous ont-elles bien appris à vous tenir droit à table et à ne pas vous masturber en public? J'adore me masturber! Eh bien partons sur la chaîne de ce mec appelé OMG, it's Mick Bumhulk, ce qui signifie en français Oh mon dieu, c'est le trou du cul de Mick! C'est donc à cause de lui que ce nom de chaîne s'est déjà pris. Et ce monsieur a une obsession qui ne correspond pas vraiment aux normes sociales en vigueur dans notre monde. Quoi? Pourquoi il fait ça? C'est dégueulasse, y'a des gens qui vont devoir nettoyer! Si j'en mets une autre... Gotta go pee pee. Oui. Mais... Oh yeah, have a seat. Have a seat. In my pee. Une autre... Pee pee. Mais pourquoi il fait ça? Une autre... Oh le bâtard. Oh le bâtard. Mais pourquoi, oh Seigneur Jésus, cet homme urine-t-il sur tout ce qui existe? Bah ouais, mais là, il urine dans des restaurants publics, t'as des gens qui vont devoir nettoyer. Non ! N'importe quoi. Ou bien, peut-être que comme certains animaux... Bon, on les a déjà, Eh, hey, tu veux être mon ami à moi? Oui. Cool. Non. Wow. Technique qui, à mon goût, est une excellente solution pour éviter les dépenses trop excessives. Tout ce qu'il y a dans ce magasin m'appartient. Ce serait incroyable si ce genre de gars s'investissait à mort sur leur chaîne YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, partage la vidéo sur tes réseaux sociaux et n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo où je pisse sur un fauteuil. Mais quand on pense que... Mais en fait, Antoine, j'ai pissé dans ta sacoche. T'es pas sérieux? Oh non, non. C'est oh mais non ça, dans une autre de ces vidéos, on le voit pisser dans l'ascenseur d'un magasin. Oh, j'espère qu'il va tomber en panne. Comme ça, les prochaines personnes qui monteront seront obligées de toucher mon pipi. En effet, on peut voir qu'il pratique son art dans divers lieux, souvent publics, comme des toilettes, des parkings, des portes, le tout sans se faire emmerder. Sans mauvais jeu de mots, hein, on parle de pipi ici. Mais il doit être la hantise des gens qui travaillent dans ces lieux. Mais je oui. Déteste ce youtubeur. Je serais pour prôner la tolérance et dire que si ce mec aime pisser partout et que c'est son délire, tant mieux. Mais là, dans des lieux publics, ça relève un petit peu du malsain. T'aimes pas les trucs malsains, toi, pourtant? Mais c'est vrai. Allez, c'est parti. Ne me laissez plus jamais faire des trucs. C'est tout de même extrêmement impoli envers les personnes qui passeront après lui dans les endroits où il s'est lâché la vessie. Mais putain, c'est quoi ce bordel? C'est qui a pissé dans la vaisselle, là? Oh le bâtard! Je ne sais pas si ce monsieur pratique cette activité en secret ou bien si c'est quelque chose de normal et d'acquis pour ses proches et sa famille. Hey, y'a grand-père qui vient d'arriver! Allez, à la douche! Et puis dans les commentaires, les gens rejettent toujours des grands classiques! Du genre... Un autre jour, d'autres toilettes, un autre pipi. J'aimerais être le concierge! Ou bien le très célèbre! Qui veut pisser dans ma bouche? Mention spéciale au gars qui a mis un pouce vert, salut! Il a l'air de particulièrement s'éclater en tout cas, et ça a l'air de plus le faire rire qu'autre chose. Rire qui dans une autre situation serait parfaitement terrifiant. Et s'il s'amuse autant, c'est qu'il doit y avoir une raison.
Oh mon dieu, je crois que j'ai compris. J'ai pas compris. Toute notre vie, nos actes, nos histoires, nos amours, nos haines, l'urine est la réponse universelle à toutes nos questions. Non. C'est l'histoire du pipi. Le cycle éternel. Qu'un flot infini. Sortons immédiatement de la chaîne de ce mec et partons à l'autre bout du monde. En la transition de merde. À l'autre bout du monde. Non mais tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule là? Mais à qui tu parles, mec? Sérieusement. What you say? La Lituanie, qui est un pays fantastique, non pas parce qu'il possède une ville appelée Kaunas, mais entre autres parce que le maire de sa capitale, Vilnius, nommé Artūras Zuokas, est probablement le maire le plus métal du monde. En France, quand vous avez garé illégalement votre voiture dans la rue, que se passe-t-il? Vous vous prenez une amende? Pays de fiotte. Car à Vilnius, ça rime avec Anu, quand il y a un problème, le maire trouve une solution. Et cette solution inclut parfois un tank. Pardon? Kaip ir šitas prabangus Mercedes'as, Rolls-Royce'as, Ferrari iš Baltarusijos. Ir ką daryti su tokių prabangių automobilių šeimininkais, kurie nepaiso kelių taisyklių ir kurie galvoja, kad jie turi teisių per daug. Matyt, tankas yra geriausia priemonė. Voilà. Le tank, c'est souvent la bonne solution. C'est le français, ça! Comment il a pas moufté! Déjà, dès le départ, qu'est-ce que c'est que cette sorte de musique Eurodance dégueulasse directement sortie du tréfonds des années 90? J'aime bien. Prenons exemple sur les Lituaniens quand nous faisons campagne, nous, en France. Pour changer le destin de notre pays. Les Lituaniens doivent être vraiment des joueurs hardcore pour élire ce genre de maire. Je vous promets des écoles. Et des tanks, putain. Je vote, il y a des tanks. Y a-t-il des gens plus ou moins sensés qui ont essayé de faire quelque chose contre ça, tout de même? Mais monsieur le maire, pour redresser le taux de chômage... Mais on s'en fout, on veut des tanks, tanks, putain. Vouloir écraser les voitures mal garées avec un char d'assaut est une réforme tout de même assez répressive, digne d'un maire despote qui veut transformer Vilnius en espèce de Gotham City. Je serais tout de même très curieux de voir quelles sont les autres lois en vigueur. Vous venez de traverser la rue alors que le feu était vert, monsieur, veuillez poser vos testicules sur mon nez, s'il vous plaît. Quoi ? On ne pose pas de questions, c'est ici que vos testicules doivent aller. Cette politique répressive est tout de même absurde, terrifiante et injustifiée. C'est comme si on assassinait les plus pauvres et on virait les gens de chez eux pour organiser des matchs de foot. Ce serait complètement dingue. Non, t'imagines si quelqu'un est dans la voiture, genre tu demandes à ton gamin d'attendre 5 minutes le temps que t'ailles chercher le pain, et là... Mais et si en fait on dépensait l'argent public pour construire des parkings afin que les voitures puissent se garer légalement en fait? J'aime les tanks. J'adore la façon dont se déroulent les événements, en mode... Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Je veux pas de saloperie par terre, putain. Je m'en bats les steaks, yo. C'est quand même le seul gars au monde qui arrive en tank et qui repart à vélo. Le mec s'en branle, putain. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce gars-là, avec son look de nouveau riche période post-bloc de l'Est qui s'en contrecarre le poireau. Oui, monsieur le maire, je m'en bats les couilles. J'ai une Twingo de secours. C'est évidemment un acteur et cette grossière vidéo de propagande n'est autre qu'un gros fake. Rue entièrement vide. Comme mes couilles. Mes couilles. Voiture peu chère, pourquoi n'a-t-il pas écrasé les voitures de luxe dont il parlait au départ? Petite apparition de Jack Black qui m'a l'air de se taper une grosse barre. Surtout cet acteur qui joue excessivement mal. Twingo. Ça doit être un métier tout de même assez original de ne tourner que dans des films de propagande. J'ai commencé à tourner dans des films de propagande il y a plusieurs années. Je vous servirai toute ma vie, Kim Jong-un. La Corée du Nord, y a pas plus fort. Je suis payé à peu près 9000 euros par vidéo. Mais vous savez, j'ai aussi fait des spots éducatifs pour les enfants. Riche en fer et en protéines, pour bien grandir... Mange tes épinards, gros connard.
C'est moi qui ai fait ça. Je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Les enfants soldats? J'en fais pas tout en plein. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Après, quels seraient les arguments qui feraient que cette méthode peut être convaincante? Pas de voiture? Pas d'amende? Mais oui! Cette vidéo est probablement la vidéo de propagande la plus étrange que j'ai pu voir de toute ma vie. En tout cas, pour se faire élire par les habitants de Vilnius, il a dû les charmer. Mais c'est tout pour moi, merci à tous! Vous savez à quel point j'aime les chevaux? Putain que je les adore! Alors comme j'aimais les chevaux, j'ai tapé Pony sur YouTube pour trouver ma troisième vidéo. Tiens, voyons voir celle-là. Okay, so here's all my pony gear. This is the bridle. This is the brush I use to keep his mane nice and pretty. Okay. And, well, this I just use when he's naughty. Is that right, honey? Okay. Okay. Oh putain, je viens d'avoir un pet de cerveau. Pony Play? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, calmons-nous tout de suite et partons sur une des vidéos qui parle du sujet. Elle est extraite d'une série de reportages nommée My Strange Addiction, littéralement mon étrange addiction, qui est une de ces émissions gerbantes du genre tellement vrai, mais aux États-Unis. D'Amérique! Bah oui. Pony Play allows me to indulge in the pretend play that all of us came to know and love as a child, and it's kind of taboo as an adult. Wow. You know, I'm into roleplay. This is basically just the next step in the evolution for me. Wow. I say the different gates. The Spanish court, which is a high step. Like that. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle a un truc sur la tête? Je comprends rien. Ah, la douleur. La gueule de la tante. Merci, Devil Dom, pour les 5 sommes que t'as offert. Merci beaucoup. Que je pouvais être ce que je voulais. Alors je suis devenu un lapin. Ce vidéo est tout de même un petit... Tu vas pas rester toute la vidéo habillée comme ça quand même. Bah, si. Samuel, je t'ai pas sauvé de tes ravissures pour que tu viennes me casser les couilles. J'en malade, putain. Petit coup de queue, Samuel. Excusez-moi. Déjà, première chose, parmi toutes les questions que je me pose par rapport à tout ça, la principale est, pourquoi est-ce qu'elle a un balai à chiottes tricolore sur la tête? On a même plus le droit d'être patriote maintenant. Honnêtement, le meilleur gars dans cette vidéo, c'est le cheval. Le vrai. Putain, meuf, mais... Qu'est-ce que tu branles? Un des grands moments, c'est quand la... Non mais sérieux? Meuf? Ça va bien, là? Après, quels pourraient être les tenants et les aboutissants? Vraiment? Réellement? C'est exactement comme si Richard rencontrait un vrai chien. Un vrai quoi? Chut, il est pas au courant. Mais ces gens qui se prennent pour des animaux, se rassemblent-ils régulièrement pour se rencontrer entre eux? Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais, au fond de moi, un lapin. Et vous, vous êtes un... Nous avons tous des fétiches ou des délires plus ou moins prononcés, et j'ai aucun problème avec ça. Mais je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de le dire aux gens de sa famille. Bon, papa, faut que je t'avoue, j'aime me masturber en regardant des documentaires sur les otaries. Voilà, écoute, c'est dit, oui, bon, me juge pas, s'il te plaît, hein, je tenais à te dire... Je ne tenais pas vraiment à savoir ça. Ou même des trucs anodins, ce qui aurait encore moins de sens. Bon, papa, faut que je t'avoue, j'aime jouer à Mario Kart. Voilà, je l'ai dit, je tenais à te le dire, c'est très important. Ne me juge pas, s'il te plaît. Franchement, je comprends plus ou moins ce qu'elle veut dire quand elle dit que ce genre de pratique est le nouveau pas dans l'évolution. Par là, j'entends que n'importe quel a le droit de s'habiller et d'agir de la façon dont il l'entend, du moment que ça ne fait du mal à personne. Je suis d'accord. C'est pour autant que ça reste pas marrant. La plupart des gens qui vont dans ce genre d'émission, ils vont pour redonner généralement une image plutôt positive de leur passion. Mais ce genre d'émission n'est pas du tout fait pour ça. Si vous avez une passion hors du commun, allez sur des forums ou à des conventions spécialisées. Là, vous ne serez pas pris de haut et jugé pour ce que vous êtes. C'était le conseil du lapin. Voilà. Je dis ça parce que la plupart des commentaires sur ce genre de vidéos sont assez affligeants et intolérants. Eh, celle-là, je suis sûr que quand elle voit un bel étalon, elle a les escalopes qui font bravo, elle. Oh mon dieu. Bon, voyons voir une autre vidéo. C'est sûr que c'est un vrai commentaire. Ouais, bon, on va aller faire les courses.
tout écologique. Cette gueule de vainqueur. Les têtes de chevaux pour censurer n'ont jamais été aussi appropriées. Je tiens à préciser que la demoiselle de la vidéo est tout à fait consentante et apparaît dans plusieurs autres vidéos du monsieur. Bienvenue dans le monde merveilleux du sadomasochisme. C'est considéré comme du sadomaso, ça? J'aurais pas pensé. Non mais t'imagines, tu fais une balade tranquille à la campagne et là, d'un seul coup... Je pense pas que ça soit le même délire, hein. Mec, les champignons que tu m'as filés sont... Extraordinaire. Mais oui, j'en veux. C'est très difficile d'être à l'aise devant ce genre de vidéo. Je vois mal quelqu'un être en mode je m'en bats les roubignoles quand il mate ça. En réalité, je suis mort à l'intérieur. D'ailleurs, la tronche que tire le mec à un moment, ça n'a pas de prix. Oui. Bonsoir, mais oui, chers amis, comment allez-vous? Tiens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le départ, pour moi, c'est extrêmement difficile de me retenir de faire une chose en particulier. Putain, ouais, le pied de... Je suis d'accord avec toi, il y a un côté maître cheval, mais je sais pas, je suis pas sûr que ça soit tout à fait le même kink. My little pony, what is friendship all about? Oh putain, je vais tellement me faire assassiner pour avoir fait ça. D'ailleurs, ça me fait penser que ce fétiche du cheval, je ne vois pas trop comment l'appliquer à moi en tant que lapin. Mais oui, bien sûr. La carotte dans le... Après, certains cas sont plus extrêmes que d'autres et certaines personnes vont beaucoup plus loin que d'autres. De dégueulasse. Mais une fois de plus, qui est la plus ridicule entre la personne qui se tape une barre et fait ce qu'elle a envie de faire et la personne qui la prend de haut? Évidemment que nous avons le droit d'en rire comme nous devons de rire de nous-mêmes. On s'en bat les couilles, putain. Faites ce que vous avez envie de faire et surtout, n'oubliez pas... Le cheval, c'est génial. Je l'ai toujours dit. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve pour le 29 de ce mois-ci, pour le 29 avec Antoine Daniel numéro 13. Très bientôt l'épisode 35 est hors série, d'ici là, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao. Bon, le cul. C'est marrant ce changement de ton. Oh, bonne zig. On va la laisser un peu. Elle est bien cette version. Je la veux. Mais c'est pas l'heure de faire ça. Bien sûr. On va se mater un nouvel épisode à la place. Alors. Ouais, c'est marrant qu'il fasse un peu de pédagogie au milieu de son truc 35. Hop. Hop. Je trouve ça bien, mais ça veut dire qu'il commençait peut-être déjà un peu à réfléchir. Alors. D'ici là, portez-vous. Alors, il y a un des forums, c'est le format émission qui me questionne car je suis pas sûr que ça ferait malheureusement une image. Oui, malheureusement, je pense que. Bah. Le problème, c'est, je pense que c'est un peu ce que. On va digresser, vous inquiétez pas. Je pense un peu ce que c'est ce que souligne Antoine Daniel, par exemple. Je comprends parfaitement qu'on peut être taquin. Moi, par exemple, les gens que je taquine le plus, c'est des gens que j'aime bien, en fait. Les gens que j'aime pas, j'ai tendance à les ignorer. Donc, à partir du moment où je taquine, c'est que je t'aime bien. Et ça peut. Je pense que quand t'es un mec qui est capable de faire la différence, c'est que t'es dans un petit milieu, ça prête pas à conséquence. Quand t'es youtubeur avec. Avec le parasocial et le fait que t'influences des gens, ça peut être dangereux parce que toi, tu vas... Par exemple, là, le coup du poney. Lui, ça le fait marrer, mais je pense que sincèrement, il en a rien à foutre et il veut pas de mal à ces gens. Je t'avouerai que moi, ça me fait marrer et je comprends pas le délire. Mais j'accepte que les gens, ils aient leur délire. J'ai les miens, donc chacun les siens, il n'y a pas de souci. Mais je t'avoue que de se trimballer en cheval, moi, sur le coup, je suis là... Ok. Mais pour autant, je vais pas aller les embêter ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que t'es obligé de faire attention quand t'es influenceur parce que toi, tu vas te marrer, mais t'as un mec qui va peut-être pas le prendre comme toi. Il va dire, ah bah tiens, lui, ça le fait rire, bah je vais aller me foutre de leur gueule. Ouais, mais non. Donc, toi, c'est marrant qu'il fasse un peu de pédagogie au milieu, enfin, à la fin de sa capsule. Et oui, je pense que ce genre d'émission... d'ailleurs, je me demande ce que ça donne, l'émission américaine, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des réacts, tu sais, sur les striptease. Et je t'avoue qu'en plus, les striptease, j'aimerais bien les revoir et tout, mais je sais pas si c'est intéressant de faire des réacts. Vous avez déjà eu des centaines de youtubeurs qui l'ont fait. Par contre, il y a une autre émission, genre
Ça aux États-Unis, ça peut être marrant, quoi. Mais c'est vrai que c'est, ça donne pas, elle donne rarement une bonne image. Quoi. Souvenez-vous de celui-là sur le tuning avec qui faisait les avec c'est comment il s'appelle cet épisode 97 dB, un truc comme ça. Il faisait du tuning avec sa voix R21 et il faisait du son. Bon bah le mec, il a pas donné la meilleure image du tuning. Hein. C'était vraiment l'image la plus kéké. Bon allez, assez digressé. Hop, web. Bonjour Antoine, mini Pierre, grand Antoine et lecture. Vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Oui, ciao. Ces gens font de mal à personne du moment qu'ils sont heureux. Dans le cadre de What the Cut, Antoine Daniel se rendit immédiatement au choix de Buscarone, bar nommé ainsi de par son patron et fondateur Buscarone. Pendant ce temps-là, des pirates de l'espace attaquèrent la Terre. D'abord non. Les capitales, puis les villes, puis les villages. La première semaine, les associations. C'est quoi, franchement, le design des vieux bateaux avec des gros réacteurs comme ça, c'est surprenant, mais j'aime bien. S'en suivirent des regarde, ça de la gueule. Pendant la population à s'exiler massivement vers les campagnes, et comme il n'y avait pas 4G, les gens décidèrent de rentrer dans les grandes villes, malgré le danger évident. Pendant oui. ce temps, Antoine Daniel buvait des coups au choix de Buscarone. Les gouvernements décidèrent de s'unir, sauf le Pérou, pour contrer la menace pirate. À la fin du premier mois, la guerre faisait rage, sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage. La population mondiale se désintéressa soudainement du conflit, lorsque des photos d'Angela Merkel et Susan Boyle fuitèrent sur l'internet. Mais ouais. cela fut d'une courte durée. Quand les citoyens se rendirent compte que les réserves mondiales de whisky, de bière et de rhum étaient pillées par les pirates de l'espace, qui à force d'être ivres morts, perdirent une partie de leur capacité à combattre. Pendant ce temps-là, Antoine Daniel buvait des coups au choix de Buscarone. Au bout du deuxième mois, des chameaux venus de Pluton attaquèrent à leur tour la Terre. Quoi ? Courage après avoir appris que l'humanité ne considérait plus leur astre comme une planète. Se retrouvant face à une menace commune, les pirates de l'espace et les terriens, sauf le Pérou, s'unirent pour vaincre les camélidés de Pluton, excepté Bernard Broutin, grand amoureux des chameaux qui refusa de les affronter. Après avoir utilisé l'arme nucléaire et les canifs, dans cet ordre, il fut décidé de régler ce conflit à pierre, feuille, ciseaux. Les chameaux ne possédant pas de doigts perdirent cette terrible pierre qui gagne. Tournèrent sur Pluton, désormais appelé Pluton pourri, en guise d'humiliation. La société s'est réveillée avec une immense gueule de bois, les cohabitants désormais dans l'air sauf le Pérou. Pendant ce temps-là, ah, ça serait tellement énorme. Il était temps de revenir à la réalité pour celui qu'on appelait. Elle était excellente, cette vanne. Hein appelé quoi Pluton pourri pour les humilier. Qu'est-ce que je te sers Je sais pas, un shot de tequila. Charlie, tu m'avances Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de servir les clients? Non, c'est Bobby qui s'en occupe. Moi, c'est Bobby. Quoi? Ça fait combien de temps que tu es de mon bar? Je sais pas, Buscarone, 2-3 jours? Ça fait 3 mois, Antoine. Arrête de dire des conneries, je suis arrivé ici depuis que mon dernier épisode est sorti. Ça fait 3 mois, Antoine. Et tu connais les règles du bar? Les règles du bar étaient en effet simples et précises. Pas d'armes nucléaires dans l'enceinte du bâtiment. Normal. Pour une sécurité évidente. Interdit aux chameaux depuis la grande guerre de 2014. Il est strictement interdit de prononcer le mot couille dans le bar. Logique. Et il est interdit de rester plus de 3 mois dans l'enceinte du bar. Non. Tu viens les inventer, n'est-ce pas? Écoute, fils, je sais d'où te sauver la vie. Les gars d'ici, ils veulent ta mort. Mais arrête, ils sont adorables. J'ai sympathisé avec Patrick l'autre jour. Et tout va bien. Nickel. Et puis même. Au bout de 3 mois, avec Charles et Samuel, ils vont commencer à s'inquiéter. Buscarone, c'est une peluche et un ventilateur. Ils existent pas. Et quand bien même, je m'en bats les couilles. En plus, Richard est juste là. T'as déjà sucé un chien. Le bâtard. Et c'est qui on? Comment tu fais? Wendy, spécialiste de maniement de la hache. Hey. Ah oui, et quelle est ta spécialité? Ma hache. Mais oui. Jack. Spécialiste de maniement de l'épée. Non, en fait, c'est pas vraiment une épée, c'est plus une rapière. Ta gueule, ta gueule. Tu sais combien de types ici que tu as emprunté l'argent pour payer tes coups? Et t'as même pas remboursé? Sérieux? Non, mais y'a juste à Charlie tout à l'heure. Hé, hey, à qui d'autre j'ai emprunté de l'argent ici? Ah ouais? 400 boules chacun, Antoine. Sérieux? Ça fait 3 mois, Antoine. Même toi, Patrick? Ah, mais moi, je m'en fous, je suis juste là pour la baston. Ok, ok, très bien. Vous pouvez me combattre moi, mais pouvez-vous combattre le pouvoir de la Sainte Paix? Non, je s'appelle Pierre. Bon, tu me la rends bientôt, hein? Non, t'inquiète pas, tout va bien pour toi? Oh bah tu sais, la vie suit son cours immuable. Fraîche histoire, frère. Ça va chez les marmottes. On va vous défoncer. Sauf une fois au chalet. Oh, je déteste cette punchline. Bagarre. Battez-vous. Je mise sur la dame à la hache.
Pourquoi il y avait un mec avec un Mickey? Il est là, Charlie. J'avais la ref. Oh, oh, salut Bobby. Moi, c'est Bobby. Je vais branler sur ton cadavre. Ah non. Putain. Oh, les gars, hé. J'aimerais bien avoir une chemise à jabot comme ça. Tu quoi? Eh, hey, on est tous copains. Eh, hey, hey, sérieusement. Eh, hey, la bagarre, ça résout rien. Eh, hein. Hey, hey, sérieux. Merci. C'est ce qui est arrivé à Yo-Yo il y a pas longtemps. Non. Oui, mais à la base, ils voulaient pas te défoncer tous les trois. En effet, ça fait longtemps que j'étais pas sorti. Ah ouais. Quoi, il a une grande corne ? Cette vidéo, Antoine. Les gens, ils attendent ton retour. Regarde ce commentaire. Burst. À présent, je dois rejoindre mon peuple. Il est fait. What the f... Salut bande de trous à merde! Quel pays Quoi? Fait la même taille que la Russie? A le même Quoi? Nombre d'habitants que la Russie? Et a le même nom que la Russie? La Chine? La Russie? Bonne réponse, non. Enculé! C'est là-bas que nous nous rendons pour la première vidéo! Je n'aurai jamais fini avec toi! Tu m'entends? Jamais! Vous vous souvenez probablement des... merveilleuses... vidéos dashcam, ces caméras posées à l'avant de la plupart des voitures russes! Il y en a dans ta gueule! Et bien pour celle-ci, je vais mettre une micro-tête de cheval à un moment parce que c'est un petit peu violent. Un peu mais pas trop, hein. Mais un peu quand même. Три часа ночи уже задрало. Да не говори уже, глаза смыкаются. Ребят, поехали, а? Чё там такое? Дискера сова. Поехали, ребят. Чё там? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est sérieux! Mais c'est sérieux! Mais c'est sérieux! Il va venir niquer ta mère! Russie, c'est votre enfance qui vient vous détruire. Mais de quoi, quoi? C'est toute une génération de gens qui vont connaître c'est normal en Russie, hein. Des personnages de notre enfance. Faudrait peut-être que j'arrête de me branler sur des photos d'ornitho. Mon quoi? Dieu, c'est Dora l'exploratrice. Putain, baisse les yeux. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bref, qu'avons-nous sur cette vidéo? Une terrible agression dont les coupables sont Mickey Mouse, qui n'est définitivement pas Dr. House, Bob l'éponge, Scrap de l'âge de glace et Luntik. Luntik est un personnage de dessin animé créé en 2011 et est très populaire en Russie. Ce petit extraterrestre émerveillera les tout petits avec ses amis plus adorables les uns que les autres. Mais oui, ils sont tellement mignons. Plus, ce sera la panique. Il aurait dû en avoir un déguisé en moi. Si un jour on ouvre un parc What the Cut, je te promets qu'il y aura des costumes de toi. Cette vidéo, qui pourrait être un très étrange sketch de Rémi Gaillard, oui, se déroule dans la ville de Tcheliabinsk, cette même ville où s'était écrasé en 2013 un astéroïde de 10 000 tonnes. C'est la seule ville au monde où les principaux dangers sont des personnages de dessins animés et des putains de météores. Bienvenue ici, fils de pute. Ouais, ok, je sais pas pour quel parc d'attractions il travaille, mais y passer une seule journée doit laisser des séquelles irrécupérables. Oh, viens par ici, mon petit. Pluto, mais qu'est-ce que tu fais? Pluto. Quel genre d'employeur serait suffisamment con pour embaucher des criminels pour jouer des personnages de dessins animés? Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, si vous êtes engagé pour ce job, il y a de fortes chances que vous côtoyez quotidiennement des enfants. J'adore les enfants. Oh non, je te connais, toi, déjà. Cette vidéo nous montre exactement la bonne réaction à avoir lorsque nous sommes témoins d'une agression. Attends, tu crois pas qu'on devrait aller l'aider là? Non mais attends, le gars il est habillé en Mickey quoi. Ouais, j'avoue. Les bâtards, c'est vrai. La leçon d'humanité qui représente bien l'attitude de l'homme du 21e siècle lorsqu'il se retrouve face à une sordide agression. Mais je t'avoue que j'aurais vu cette scène là, j'aurais du mal à la prendre au sérieux quoi.
Ouais. Bon, le mec va pas trop mal au final. Il se permet même une petite folie lorsque la camionnette repart. Mais pour nous redonner foi en l'humanité, je peux vous dire que les commentaires de la vidéo sont très compatissants et plein de bonne volonté. Est-ce qu'il y a des filles russes intéressées par un mec perruquien ? Quoi ? Quoi de mieux qu'une vidéo d'agression pour rencontrer l'amour ? Luigi Paolo continua sa recherche de l'amour pendant 7 ans sur des vidéos d'agression, d'accidents et de drames divers. Mais et variés. Pourquoi il fait ça ? Il rencontra finalement la femme de sa vie dans les commentaires d'une vidéo sur le 11 septembre 2001. Pour en revenir aux agresseurs, il est hallucinant de constater que ces mecs ne sortent pas de leur personnage cartoonesque. Car ceci est probablement la démarche la moins gangster que j'ai pu voir de toute ma vie. Tu cherches la merde ? Ceci ne fonctionne absolument pas si tu ne portes pas le costume intégral. Beaucoup de gens, sombres crétins, pensent que cette vidéo est un fake. Car elle constate que les coups ne sont soi-disant pas vraiment violents, qu'il n'est pas logique que les mecs prennent la route entièrement costumée. Je m'imprègne du personnage dans la vie de tous les jours, c'est ça être comédien ! Fabrice Luchini, mon gars ! Eh oui ! Eh oui ! Et bien encore parce que tout le monde sait que Bob l'éponge vit dans un ananas dans la mer. Ils ont bien évidemment tort, car ils oublient cette règle fondamentale qui dit que tout ce qui est sur internet est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, ça m'étonne même pas, car après tout, c'est normal en russe. Réflexe, j'ai tellement hâte que tu commences à mettre ton nouveau caractère des personnages. Boum, réflexe. Faire des courses, ils vont voir la boulangère et lui disent un ton affectueux. Ça partit en couille. Faites défoncer la gueule à coups de voilà. Grosse merde. Et la gentille boulangère lui répondit avec amusement. Faites trancher la gorge et je vais te chier dans le cou, fils de pute. Et c'est il a dit pute. Que Mickey Mouse mangea un délicieux croissant. Bonne nuit, Richard. Pour faire la transition avec la deuxième vidéo, vous savez, entre Mickey Mouse et la pornographie, il n'y a qu'un pas. Quoi ? Pas du tout. Ouais, non, en fait, pas du tout. Il me faut une transition qui déchire. Alors, c'est Mickey et ses amis sont allés en prison, en fait, après la vidéo de l'agression. Bob l'éponge a trouvé Jésus et le chemin de la rédemption. Scrat ça va, alors. L'association caritative, un gland, un sourire, Lindsay qui est devenu président des États-Unis d'Amérique et Mickey est allé se réfugier en Allemagne où il s'est lancé dans la production de bons gros films pornographiques comme on les aime. Je chiale, putain ! Mais la deuxième vidéo n'a rien à voir avec Mickey Mouse. Vos gueules ! Il s'agit de l'intro d'un film porno allemand. Pardon ? Et cette intro est quelque peu surréaliste, autant grâce à sa mise en scène que grâce à ses dialogues. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich mal anrufen könnten. Je suis l'électricien, je vais regarder ça, madame. Warum hast du eine Maske auf? Ok. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais alors, je note. Hein. On sait très bien que c'est pas pour le scénario qu'on regarde un film pornographique. Ça peut toujours servir. Sérieux. Va falloir que je me trouve de la paille, par contre. Sérieux. Vous aviez un job ! Tu sens que les gars, ils ont été complètement submergés par la complexité du début de dialogue qu'ils venaient d'écrire. Oh putain, les gars, pourquoi on a mis de la paille ? Pourquoi on lui a fait porter un masque, putain ? On a mis trop d'éléments scénaristiques ! Ah, mais comment on va faire ? Suce-le ! Suce-moi. Bravo. Je vous jure, j'avais le même portable. Merci à tous, c'est grâce à la persévérance que j'en suis là aujourd'hui. Croyez en vos rêves. Bravo. Chiale, putain ! Non mais ce suce-moi venu du tréfond des enfers et d'une efficacité complètement inattendue. La prochaine fois que vous poserez une question à laquelle vous ne savez pas répondre, ou bien trop embarrassante, vous connaissez la marche à suivre. Papa, pourquoi les oiseaux ils battent des ailes et pas les avions ? Wow ! Je ne savais tout de même pas que les hommes masqués faisaient à ce point-là de l'effet. Après tout, c'est vrai que dans les professions de la réparation, du nettoyage ou de la plomberie, discussions, c'est tout ce qu'il y a. Ah, tout le temps. Oh là là, moi le BTP, c'est pour ça que j'arrête, hein. On baise. Je suis au courant qu'il s'agit d'un film pornographique, mais soigner les dialogues, c'est aussi important que de soigner la réalisation, la lumière, le son, le montage. Genre, le montage, ça sert à quelque chose ? Tire sur mon doigt. Quoi ? Tire sur mon doigt. Mais comment tu fais ça ? Ah, j'arrive pas à le prendre ! Autant je trouve que la question de la dame est tout à fait légitime. Autant la question du monsieur, j'en suis un peu moins sûr. Non mais de quoi je me mêle ? Le mec mais il est oui. Même pas chez lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre ? Je veux bien réparer vos canalisations, mais pourquoi votre papier peint est aussi dégueulasse ?
Alors, après on se concentre beaucoup sur la proposition de fellation du monsieur, mais il faut admettre que la question qu'il se pose mérite d'être soulevée. Pourquoi est-ce qu'il y a de la paille partout ? Mais oui ! C'est vrai ça, pourquoi ? Suce-moi. Peut-être que l'homme de la vidéo enquête sur la présence abondante de ces meules de foin. Pour faire appel à moi après ce que tu m'as fait, t'as de sacrées couilles, Francis. Et elles sont bien remplies. C'est quoi la mission ? Un de mes amis haut placés tient à faire appel à tes services. C'est un cheval. Tout son foin a mystérieusement disparu. C'est pas banal. La coupable est Gertrude Machepro, étudiante en arts et médecine. Nous devons découvrir les raisons de son acte. Pourquoi faire appel à moi ? Car t'es le meilleur dans l'art du camouflage. Mais le problème avec toi, c'est qu'au moindre imprévu, tu perds les pédales. J'aime pas quand tout se passe pas comme prévu. Si elle te pose une question à laquelle tu ne sais pas quoi répondre, réfléchis avant de parler. Et peut-être qu'un jour tu deviendras un grand inspecteur. Je resterai en contact avec toi par une oreillette. Tu porteras un masque pour qu'elle ne te reconnaisse pas. Tu te feras passer pour l'électricien. Soutire-lui les informations à propos de la paille. Bonne chance. Voilà mon compteur électrique, vous pouvez y jeter un œil ? Avec grand plaisir, mais pourquoi est-ce qu'il y a de la paille partout ? Et vous ? Pourquoi est-ce que vous portez un masque ? Suce-moi. Dis pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi. Suce-moi. Je ne sais jamais pourquoi elle a dérobé toute cette paille. Mais oui. Et oh, Richard, on parle pas la bouche pleine. Je veux bien que le scénario dans un film porno ce soit accessoire. Et croyez-moi, je m'y connais en film pornographique. Je rigole ou quoi ? J'adore bander. Mais quand on écrit oui. un de scénario, il faut l'assumer jusqu'au bout, mec. Vous voulez juste filmer. On a des passions. Wow. Nous avons quand même un magnifique exemple de résumé absolu de ce qu'est une histoire. Nous avons la scène d'exposition. Voilà. L'élément perturbateur. Et la résolution. Suce-moi. Les réalisateurs de films à grand budget devraient s'inspirer de cette simplicité si efficace pour raconter une histoire. Frodon, tu dois prendre l'anneau et tu dois le détruire avec de la lave. Oui. Bravo Frodon, tu as réussi. Oui. Tu es le meilleur. Oui. T'adore vraiment. Eh bien, son cul, putain. Oui. Quoi ? Il est vrai que j'ai préféré cette version. Le réalisme au cœur de leur film, ça se saurait. Ouais. Ça doit être les fusibles. Je vais vous en ramener 4 de 30 ampères, démonter le carénage et vérifier le disjoncteur. Le porno est extrêmement décevant. La vérité, ma gueule, c'est que je pense que ce dialogue est volontairement humoristique et que les scénaristes l'ont écrit de cette façon tout à fait consciemment. À mon avis, ils tentent d'ironiser un petit peu sur les histoires que les films porno essaient de nous raconter parfois. Alors qu'en vrai, si on regarde un film de cul, le scénario, on s'en branle. Preuve une fois de plus que ce que l'on voit généralement dans les films porno n'est pas vrai. Je vous rappelle que ce sont à chaque fois des comédiens. Quoi ? Tout ceci n'était qu'un mensonge depuis le début. Des larmes coulent sur mon sperme. De plus, mettre de la paille qui est hautement inflammable devant un compteur électrique... Mais oui, c'est très dangereux. Je m'en fous, j'ai baisé. Le sexe, c'est trop bien. Surtout le sexe anal. Cette vidéo qui me rappelle étrangement les pratiques de certains propriétaires parisiens me laisse un goût amer. Tiens, moi aussi. Quoi ? Bah oui, c'est sûr, mais toi, c'est pas pour les mêmes raisons. C'était dégueulasse. Je parle de mon sperme. Passons à la J'avais compris. Vous vous souvenez du Pony Play ? Vous vous souvenez de tous les artistes contemporains que j'ai pu vous montrer ? Eh bien, essayez d'imaginer tout ça, mélangez et versez le tout ici. Ouais. Bienvenue sur Internet. Laisse-moi te guider. J'ai la ref, c'est le chat. C'est ça. Nous allons voir les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Wataken. Wataken ? 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 Wataken est un artiste performeur expérimental japonais. Mais oui, on l'a vu. YouTube personnel, mais de nombreux utilisateurs se sont chargés de propager ces merveilleuses vidéos. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr que non ! Allons apprendre à préparer des champignons, les amis. Des champignons ! Mais pourquoi ? Putain, ça commence très très bien. Ah. Ah mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Non. Qu'est-ce que c'est ? Je... Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Ah pardon, désolé, c'est bon, oh là là. Là. Pas trop il m'a fait vous. Peur, avec mes problèmes de connexion, Antoine Daniel ne fait jamais ça. 7 minutes 15 de ça !
Et je vous ai pas montré quand il danse sur Thriller de Michael Jackson ou bien quand il fait du ski totalement à poil. Oui, ceci est bien dans la même vidéo. Malgré le côté creepy et étrange de la vidéo, dû entre autres à la qualité toujours plus dégueulasse de l'image, cet homme cheval, encore un, nous montre avec précision une recette de champignons, hallucinogène certes, mais une recette quand même. L'écureuil meurtrier du lait en profond vous présente son tout nouveau restaurant. Vous pourrez y déguster de superbes noisettes ainsi que des noisettes et encore des noisettes, putain. Je paierai très cher pour aller dans un restaurant tenu par monsieur tête de cheval. Non. Délicieux. Mais pourquoi est-ce que vous portez un masque? Cet homme qui cuisine sur Dancing Mad et qui porte un masque sur les couilles a l'air d'être parfaitement enthousiaste à l'idée de faire la cuisine. Ainsi même que d'aller cueillir ses champignons. Ah, tu veux? Mais n'oublions pas qu'à chaque fois que vous voyez ce genre de vidéo, quelqu'un est en train de les filmer. Ce job est parfaitement épanouissant. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, à chaque fois je me demande comment ils font pour trouver un mec qui est exactement dans le même délire que pour les filmer. Eh, ça te dit de venir me filmer ce soir, je vais me mettre à poil avec un masque de cheval sur la tête tout en cuisinant des champignons hallucinogènes. Grave! C'est comme ces potes qui ont dit oui eux aussi sur cette autre vidéo. Ah, j'aime ton corps chevalin. Et tout ceci n'a pas de sens si on en trouvait un peu plus dans une autre de ces vidéos. Ah. Très bien, je vais me faire foutre. Mais pourquoi? Oh mon dieu. Mais pourquoi il fait ça à son scanner? Ah oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui vous inspire pour produire vos vidéos? La consommation massive de drogue dure! Oh. N'est pas du tout un bon exemple à suivre, les enfants. Sauf si vous voulez devenir comme moi. Si tu croyais être un exemple à suivre pour la jeunesse, tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Dès le départ, le gars se fait retirer un énorme thermomètre du cul. À force d'être tout le temps à poil. Ah, j'avais pas compris. Ensuite, il danse sur la plage à la manière d'un cheval complètement nu. Ouais. Nous avons droit à je me bats contre des mecs invisibles, j'étripe un animal mort et je branle un arbre. Mais qu'est-ce que tu essaies de comprendre à travers ta vidéo? Il danse sur la plage, on voit un calendrier, signe du temps qui passe, je suppose, il imite un poisson en combinaison de plongée. Impressionnante performance. Se jette sur le sol plusieurs fois en signe de désespoir, puis pêche à main nue un authentique poisson. Impressionnante performance. Peut-être veut-il montrer que pour pêcher correctement, il faut prendre le temps de s'entraîner à être un poisson. Connais ton ennemi pour pouvoir le vaincre. Ouais. Je sais juste de trouver une solution, une explication à tout ça. Samuel, aide-moi. Marche pas. Tu me déçois beaucoup, Samuel. Malgré tout, ma théorie disant d'imiter les choses pour mieux les comprendre tient parfaitement debout. Je suis une porte. Je suis une plante. Je suis une antenne de télévision. Je suis l'Amérique du Nord. Tout ceci fait totalement sens. Quoi? Faire hein? Deux. Comment? Bancousteau. Turn down pour moi. Je vous dis tout de même que moins une vidéo a de sens, plus dire qu'elle est inspirée de faits réels est absurde. Inspirée de faits réels... Attends. Attends, le chat. L'histoire de Fur, c'est lui qui l'a inventé? Le coiffeur, c'est lui qui a inventé ça ou ça existait déjà? Et juste, il y fait une rêve. Non? Ok. Parce que là... Là, on aurait un problème. Ce moiffeur, j'en ai bouffé. Hein. À la toute fin de la vidéo, on le voit sans son masque devant un tableau. Oui, je parle de toi, fils. Un tableau de cours. Bon, en l'absence de Madame Pouliche, c'est moi qui assurerai vos cours. Quoi? Le geste est technique, le geste est technique. Les mecs masqués, ouais, coupé aussi, j'ai eu le droit. Un autre mec masqué, tout ceci me laisse cruellement penser que... Oh mon dieu, tout est lié. C'est un mec qui se déguise en lunatique, perd son masque, puis se fait sucer avant de prendre des champignons hallucinogènes et danser nu sur la plage. Mais ça a du sens. Bravo à vous. Moi, j'appelle ça mes mardis. Personne ne les regardait. Et je trouve qu'on vit dans une époque formidable, vraiment. Beaucoup de gens diront qu'il s'agit de l'éloge de la stupidité, de la médiocrité, alors qu'en fait, Internet est le reflet de ce qu'est chaque individu dans son étrangeté et dans ce qu'il a d'unique. Et n'oublions pas que toutes les vidéos de ce mec sont inspirées de faits réels, car rappelons-nous que... Tout ce qui est sur Internet est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé. Il en aura mis du temps à arriver. Je ferai très prochainement une vidéo sur ma chaîne pour expliquer les raisons de cette longue absence. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour, motherfuckers. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, soyez aimables avec les chameaux et à bientôt tout le monde. C'est vrai. Respectez les chameaux et les dromadaires. Eux-mêmes respectent leurs différences entre eux. Bien sûr. Qu'une idée. Si ça se trouve, ils ne peuvent pas supporter. Alors, boum! C'était plutôt pas mal. Ah,
J'ai loupé mon... Ouais, si, ça, c'est bon. Ok, super, génial. Alors... Non, il était horrible, ce bruit. Je ne le ferai plus jamais. Peut-être. Alors... Ouais, tu te calmes. Il est quelle heure? Il est 23h14, on va mater le What the Cut 36. Jésus, hiver et pacifique. Incroyable titre. Je suis hypé. Hop, hop, hop. Trier du néant profond, aussi connu sous le nom d'homme écureuil ou de petit fils de pute de merde. Plusieurs mois qu'il me suit partout. Au début, c'était juste des apparitions involontaires dans mes vidéos. Puis il a commencé à être présent dans tous les instants de ma vie quotidienne. Bien qu'insupportable, je tolérais la présence dérangeante de ce bouffeur de gland. Jusqu'à ce qu'il vole celui de trop. Antoine, on m'a volé mon gland. Non. Quoi? Vas-y, Matt. Je vois aucune différence avec un... Je crois savoir qui est le coupable. Qui te suit partout et sait où tu habites. Te regarde dormir la nuit et adore manger des glands. Ouais, ok, Guillaume est peut-être un peu chelou, mais c'est un mec super sympa. Et tes remarques homophobes ne font plus rire, père. C'est l'homme écureuil. Mais oui, c'est clair. C'est intolérable. Tu es beau quand tu t'énerves. Casse-toi, Guillaume. Cette fois, c'en est trop. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je vais te retrouver et te faire cracher le morceau. Et c'est ainsi que cet abruti d'Antoine Daniel partit à la recherche du précieux apprentissage des grands moyens furent mis à disposition afin de retrouver l'immonde homme écureuil. Affiches, tracts, il commença même à interroger des inconnus, de très nombreux inconnus. Même Richard participe... Oula, trop tôt Richard, beaucoup trop tôt, non, je peux pas cautionner un truc pareil. Ah non. Beaucoup trop tôt, Richard. Ah ouais. Non, beaucoup trop tôt. Il y a combien Antoine, d'années? Ah ouais, c'était tôt. Et des théories plus farfelues les unes que les autres. Non, tout est lié. Être le dernier des cons pour utiliser un tableau en liège en 2015, alors que de très bons logiciels sont sur le marché. Et c'est pas compliqué à télécharger, légalement, bien entendu. En plus, The Pirate Bay fait planter mon ordinateur, alors ça vaut pas le coup. En parallèle, il se mit à donner des interviews et à animer des conférences afin de sensibiliser la population. Mais l'homme écureuil restait introuvable. Quelques autres idiots décidèrent de rejoindre sa cause et l'aider dans ses recherches démentes. Après autant de mois d'absence, était-ce vraiment ça, le scénario qu'avait trouvé Antoine Daniel? Vraiment, c'est tout de même pathétique. Le mec ne fait pas de vidéos pendant plusieurs mois et il nous revient avec ça. Oh! C'était mieux avant, quand il parlait de yaourt et de fromage de chèvre. Le joueur du grenier, il sort des vidéos plus souvent au moins, lui. Et elles sont toujours aussi bien. Malgré tout, après plusieurs mois de recherche intensive, Antoine Daniel reçut un SMS de la part de l'homme écureuil en personne, lui donnant rendez-vous dans un lieu mystérieux. Je crois qu'on y est. C'était rapide. Ah ouais. Ça, je me demande où ils ont tourné ça. Un piège. Quoi? Un piège. Mais non! Ça ressemble à un piège. C'est probablement le clan de Richard. Tu vas nous rendre ce clan immédiatement! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu voulais lui poser des questions sur qui il était? Il va le buter. Ah oui, merde! On vient en paix! Je crois que je suis pas crédible. Je t'avais dit que c'était un piège. Ok, j'appelle des renforts. Allô? T'es sûr? Tenez, une pomme pour vous donner d'énergie. Il fera pas le poids face à nous tous. Non merci. Il sera obligé de se rendre. Mais c'est quoi ça? Ah, il a reçu du renfort c'est aussi. Célèbre lieu. Non, Snoop Pigeon, les Raffens et la licorne. Et les licornes, c'est quoi les pédés ou quoi? Wow. Bien l'homophobie, mec. Pardon, hein, excusez-le. Bon, ils veulent la guerre. Nous voulons le gland de Richard. Nous allons tous les deux être servis. Ces lunettes ne sont pas du tout adaptées à ma vue. Mais elles lui vont trop bien. J'ai les mêmes. Attention, c'est un rafale explosif. Un quoi? Il y a une rêve que je comprends pas. C'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça, mais en une semaine ou deux, vous ferez plus attention à rien. Hein. Non, il a un rayon laser. J'adore tuer, putain.
Samuel, c'est un pacifiste, c'est normal. Putain, Balthazar! Moi, c'est Jean-Louis. Je vais pas te laisser crever ici. Tu vas t'en sortir! Laisse-moi. J'ai un boulet pour toi. Ah ouais. Allez, à plus! Pourquoi Ristèche? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, mec. Un écureuil, une licorne et un pigeon, vous croirez que c'est le titre d'un épisode de What the Cat. What the Cat en 2015. Putain, mec, ils sont en train de nous niquer, là. Mais non, pas du tout. Ah non, ils l'ont eu. C'est superficiel. My life, it's for the... Non, il va leur balancer la patate. Antoine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le lance-patate. Ok, c'est badass. Il me faut ça. N'empêche, je savais pas que les peluches avaient un pénis. Ouais, moi non. Richard, les peluches, ça a pas de pénis, hein? Bah non, pourquoi? Bah alors? Bah qu'est-ce qu'on fout là alors? Oh bah il me devait 25 balles mais tu serais jamais venu si je t'avais donné la vraie raison. Oh Richard. Mais grave. Est-ce que elle est géniale, la zic. Ouais, urètre est un mot tellement dégueulasse que tu peux le prononcer qu'une seule fois tous les 6 mois. Pile à temps pour l'épisode 37 de What the Cat. Nous aussi, on peut faire des sketchs avant nos lives, comme ça. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus-Christ? Non, je ne parle pas de Jésus, le fils de Dieu pour les chrétiens qui est mort sur la croix. Wow! Spoiler? Non, je devrais plutôt reformuler. Avez-vous déjà hurlé en pleine rue que vous vouliez que Jésus pénètre par tous vos orifices? Pardon? Marine non comprise. Ouais. Fuck you, Jesus! I like it! I like it like that! Fuck you, Jesus! Quoi? Oh, Jesus! Oh, Jesus! I got to kill him! Fuck me, Jesus! Fuck me, Jesus! Non, elle est peut-être possédée! Appelez Zach! I got some water for you! It's Jesus water! Oh là 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 là! Café! Essaye de lui parler! Il me faut les EMF! Vite! Claquez! Amène la lampe torche! Lui arrive. Baisse-moi dans le cul. Sont-elles si impénétrables? Mais par les mille enfers, cette pauvre femme a dû absorber une quantité astronomique de substances psychotropes pour en arriver là. Et est-ce vraiment une coïncidence si cette scène se passe pile devant un KFC? Ah, j'ai pas fait gaffe. Un maximum d'ecstasy et de LSD dans nos nuggets. Et aussi, parfois, je jute mon sperme ah, merveilleux mais non à l'intérieur de l'un d'entre eux. Mais non. Mais vous ne saurez jamais lequel. Mais oui. C'est dégueulasse, je fais cette blague à mon fils depuis des années, ils m'ont pris toutes mes vannes. Complètement possédé, mais pas par un démon cette fois, un véritable casse-tête pour les exorcistes. Je comprends pourquoi mon gosse des fois il se marre pas de mes vannes si l'autre il les a faites avant là. Bah mets-toi bien. Quand tu me diras, je les faisais avant. Bon, pour m'éviter de blasphémer, il a une enfance compliquée, le petit. Bonsoir monsieur l'évêque. Quelconque. Le joli message que cherche à transmettre cette femme a le mérite d'être clair comme de l'eau de roche. C'est concis, efficace, ça ne passe pas par quatre chemins pour se faire comprendre. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de détruire mon vaginarium? Mais non, à la place on a droit à du casse-moi tout en dedans, là, top dans le fond, je suis pas ta mère. Dans les années 2010, la poésie se perd et c'est très triste comme le jeu vidéo avec les briques. Autant cette dame ferait une voisine de piètre qualité. Tu vas fermer ta grosse gueule de merde! Autant c'est le caméraman que je trouve particulièrement insupportable. Million hits on YouTube. Ah bon? Ah, triste. Donc les autres ont fait 9 millions quand même. Je croyais que je pouvais le faire. Et bien évidemment, on ne refait pas une équipe qui gagne. Merde, une fois de plus, et je vais commencer à physiquement agir si ça continue. Fuck me now! Ah, leçon numéro 1 sur le cadrage. Quand tu veux montrer quelque chose qui te tient à cœur, fais un effort, bordel à couille! Bonjour, je cherche une meuf sur Clermont-Ferrand.
Bah, je suis plutôt beau gosse, hein. Et, c'est un mini Antoine, regardez, on voiture, est chacun d'un côté. De belles voitures. Bonjour, les mini voitures, Antoine. Wow, on a le droit de se demander calme-toi. Si cette gentille madame est attirée sexuellement par le Christ ou si elle l'utilise juste comme prétexte pour se frotter non mais sans que Kennedy à cette pauvre voiture. Elle avait pas qu'à avoir cette carrosserie rouge sexy là, elle a bien cherché la salope, elle devrait prendre ça comme un compliment. Un véritable traumatisme pour cette voiture qui n'avait rien demandé mais à oui, personne. La pauvre. Docteur, je ne sais pas si je pourrais surmonter cette terrible épreuve. Vous êtes une voiture. Car oui, savez-vous ce qu'est la mécanophilie? Les enfants, laissez-moi vous l'expliquer avec une petite chanson de Derrière les fagots. Allez les enfants, tous avec moi. Je vais mourir de l'intérieur encore. La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Ou plus exactement, c'est avoir une attirance sexuelle pour les machines telles que les vélos, les véhicules. J'en ai vu un sur Twitter aujourd'hui. Ils faisaient plein d'essence, je vous raconte pas. Le terme aéroplane en 2015. Malgré tout, s'il y a un fantasme légal, difficile à assumer, c'est bien celui-là. Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique? Ouais, du porno, ouais. Avec des. Ouais, avec des belles meufs, là. Non! Ça me pose aucun problème, je respecte les attirances de chacun. Moi, par exemple, j'adore me masturber devant des photos de bébés morts. Ça te pose un problème, grosse merde? Ouais, j'ai un peu. Beaucoup de respect pour ces gens. Il faut être sacrément téméraire pour pratiquer ce genre d'activité. Tout peut être un godemichet, si l'on est suffisamment courageux. Et lorsqu'on se penche un petit peu sur le sujet, on découvre des choses incroyables. Saviez-vous, par exemple, que cette Américaine était mariée à la Tour Eiffel? Yeah, I'm one with her. Connected to her. Ah. Oui, oui, vous avez bien entendu, mariée à la Tour Eiffel. Si bien que cette femme s'appelle à présent Erika Eiffel, comme si la Tour Eiffel avait pour nom de famille Eiffel et pour prénom Tour. Insolite, n'est-il pas? Ma maison est en flammes. Bon, évidemment, j'en parle sous l'angle du sexe, mais la mécanophilie, c'est aussi de l'amour, des sentiments, des belles choses que l'on se dit au coin du feu. Oh là là, une Clio. Bien sûr. Elle a divorcé, bien sûr. Les problèmes d'érection de la Tour Eiffel sont connus. L'homme qui mettait son sexe dans les pots d'échappement. Ah. Une certaine vision du romantisme. À vrai dire, les authentiques mécanophiles ont un regard vraiment amoureux sur les voitures. There's an orange Porsche over there. My God. Male or female? Donner un sexe à des objets? Non mais t'entends ça, Samuel? C'est clair. Où est mon gland? When I first get them, I'm not as inclined to fuck them actually. And then once I get to know them, I learn specific things about them that I like. Pardon? And given some time to get to know it better, I would find specific things that just turn me on about it. Il est vrai que quand tu prends un objet du quotidien, tu penses pas tout de suite à assouvir tes besoins sexuels avec. Ça a commencé quand j'ai demandé à ma sœur où était la télécommande, elle m'a répondu dans ton cul et c'était le cas. C'était le cas, oui. Ah oui, bah bien sûr, dans mes bonnes fesses. N'empêche que ça doit donner des perspectives tout à fait différentes aux divers aspects de la vie de tous les jours. Oh mon dieu. Ça te dirait qu'on va y voir le dernier Fast and Furious ce soir? J'ai fini. À chaque fois que je vois ce genre de fantasme, je me demande à partir de quand ça a commencé. Quel a été l'élément déclencheur? Allez, tu l'ouvres ton cadeau de Noël? Waouh. Non. Ah, quel connard. Étrange, mais si ça les rend heureux, pourquoi pas? Ce qu'ils font dans leur garage, ça ne regarde que la vie est trop courte pour ne pas baiser les voitures. Pour en revenir à la vidéo, une chose m'intrigue tout de même, c'est que le mec a commencé à filmer alors que la femme n'est toujours pas arrivée sur les lieux du crime. Coïncidence. Oui, décevant. Autre chose me titille l'esprit, cette étrange phrase. It's Jesus what? Serait-elle en train de nous dire que ses sécrétions génitales sont en réalité un liquide sacré? Oh mon dieu! Ceci est mon sperme. Mais qu'essaye d'accomplir cette dame en vrai quand elle nous hurle à la gueule pendant une bonne partie de la vidéo? Non mais elle s'est mariée avec... C'est peut-être une parade nuptiale. Enfin, on l'a pas aidé dans son truc quand même. Tout sa poêle, putain! Il n'empêche que grâce à cette vidéo, l'église est bien plus badass et moins conventionnelle qu'auparavant. Je me demande comment celle-ci va tenter de convertir de nouveaux adeptes avec cette nouvelle politique. Cette femme baise une voiture, mais quand vous apprendrez pourquoi, vous ne saurez retenir vos larmes. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Nous avons aussi un article sur 10 vidéos de chats trop mignonnes. La quatrième va vous faire craquer. Trop mignon, putain! Ça existait déjà, leur histoire de le quatrième va vous étonner? Mon frère, et il s'agit plus précisément d'une série de 6 vidéos hallucinantes. Ah ouais. Qui portent toutes le même nom, traduisées en français, Théâtre Blanc et Martin Velicek.avi, ce qui est un format vidéo tout à fait correct. Le Théâtre Blanc est, selon cette Google traduction absolument dégueulasse, une association artistique expérimentale tchèque se basant sur le théâtre vivant, et ce qui est vachement bien avec cette information, c'est qu'on s'en bat les couilles, poteau. Alors voyons voir ce que ça donne, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre. Inspirant.
Bien sûr. Voilà, voilà. Ah, puis l'autre derrière, il est énorme. Ça va être mon héros de la soirée, lui, je le suis tout le temps. Il est au fond, là. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Attends, je peux pas tout regarder. Pourquoi j'ai été aussi absent sur Internet, déjà? Ah oui, ça me revient. Putain de merde, après avoir écumé toutes ces années des vidéos d'art contemporain sur mes différents Internets, une question s'impose dans mon esprit. Vous avez quoi avec les gens à poil, sérieux? C'est parce que j'aime beaucoup l'art figuratif avec des gens qui bandent avec leur bite. Je sais pas pourquoi, mais au moins une vidéo sur trois de performance artistique contemporaine contient au moins une personne complètement nue. Et je dois vous admettre qu'à chaque fois... Je gaule dur, putain. Bon, il est temps de parler de la vidéo en elle-même. C'est juste pour pouvoir dire ouais, je suis subversif, mais... Pourquoi cette scène ressemble à une salle de torture? Pourquoi y a-t-il une évidente référence à une célèbre bande dessinée française? Pourquoi ce mec porte un bonnet de bain? Pourquoi ce mec est-il attaché à une table basse? Pourquoi est-ce qu'il se bat? Et surtout, table basse, je sais à qui demander. Belle petite pute. Mais qui peut bien avoir envie de regarder ça? Qui en a eu le plus profond désir? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Je voudrais bien voir des vieux à poil qui font du ski. Et je sais pas si vous avez bien tendu l'oreille lors du visionnage de la vidéo, mais qu'est-ce qu'on entend si on met le son beaucoup plus fort? Un gosse. Un gosse, putain. Mais quel genre d'horrible immondice oserait amener son gamin dans un truc pareil? Non, mais il était dans une salle à côté. Je t'emmène au ski voir des vieux monsieur tout nus. Père de l'année. C'est parti. C'est ton papa, il est trop sympa avec toi. Il t'emmène en vacances chez les terroristes et en Corée du Nord. J'adore. Dans les partout, c'est premier à t'y emmener. T'iras pas bien rythmé, au moins tu verras Auschwitz. Et voilà comment tu crées une génération de gens traumatisés par les sports d'hiver. Ah, cette musique. D'ailleurs, pourquoi ont-ils décidé de prendre la thématique voyage sympathique à la montagne? Car il est vrai qu'avec les skis, les tableaux sur les murs, on dirait ce genre de petite maison que l'on trouve sur le bord des montagnes. T'as envie de le dire, hein? Ouais, Une fois chalet. C'était une fois, oh. Non, je le dirai pas, je refuse de ressortir des blagues de mes anciennes vidéos. C'est trop facile. La montagne et ses attraits inégalés. Hashtag Savoie, hashtag Bouquetin, hashtag gueule, ferme ta bonne grosse gueule. Ah, quel véritable bonheur de suivre les aventures hivernales de Glandure, Masturbix, Trou de Ballos, Jean Nudisme et Extrême Couillisator. Je nous vois déjà dans les Alpes, boire du vin chaud, manger du Pont l'Évêque. Quelconque. Descendre les pistes et ne plus jamais en reparler par la suite. En vrai, tout c'était atrocement horrible dans cette vidéo. Même la musique, sérieux, c'est dégueulasse. Vous avez étudié votre instrument pendant 20 ans pour pouvoir le maîtriser parfaitement? Mais c'est génial. On en a rien à foutre. J'espère qu'il a brûlé cette veste après la vidéo. Notons la présence de ce superbe accordéon rendant un magnifique hommage à notre pays. Hélas, entaché par la mort foudroyante de son interprète. Oh, le pauvre. Malgré tout, une certaine grâce se dégage de cette performance, comme par Press exemple F cette pourquoi j'adore. Chaloupé, ou bien encore ce truc. Non sérieux, c'est quoi ce machin? Ce son rigide me met relativement mal à l'aise. Je suis sûr qu'avec un petit peu de montage, tu peux transformer n'importe quelle scène innocente en un truc absolument horrible, rien qu'en y intégrant ce bruit. Pas les Allemands. Les Allemands. Le recyclage, c'est super important, mon pote. Mais revenons à la vidéo. Ce qui est amusant, c'est leur regard très digne, levé vers l'avenir, tel le sexe d'un mécanophile devant un vieux Windows 98. Ces mecs n'ont rien à envier aux soviétiques. Parce qu'ils sont tous morts. On peut tout de même noter que certaines personnes restent suffisamment lucides face à ce spectacle. Putain, alléluia, yes, enfin quelqu'un de sensé. C'est un miracle. Un miracle. Comment il a fait ça? En même temps, c'est plutôt normal, comment ne pas rire devant cette mascarade? C'est quand même la meilleure blague du monde. Mieux que les blagues sur les délais entre deux épisodes de What the Cut? Ah non, là oui, en effet, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est fin, original, personne ne les a jamais fait, on s'en lasse pas, puis c'est toujours drôle. Putain, mais cette œuvre est tellement vide de sens que ça pourrait carrément être utile pour certaines personnes qui souhaiteraient en tirer profit. Marre des mecs à poil dans les files d'attente avec leur ski de merde. Assez de ces accordéonistes complètement nus avec leur ski pourri de merde à chier. Plus jamais ça. Ceci était un communiqué de la Fédération Française de Luge. C'est pas si mal en fait. Allez, rejoins-nous. La glisse n'a pas de limite. Non mais s'il y a des gens qui rient, ou un enfant dans le public, c'est que les personnes ne s'attendaient probablement pas à voir le spectacle auquel ils ont assisté. Les organisateurs de cette escroquerie les ont fait tomber dans un piège. Bonjour monsieur, ça vous dirait de venir voir un spectacle de théâtre amateur? Ah mais ouais, carrément, j'adore le théâtre. Molière, Shakespeare. Ouais, Shakespeare. Malgré tout, si on en croit les commentaires des vidéos, les gens apprécient à croire que je ne suis qu'un sombre connard totalement insensible face à cet art si subtil. Je ne peux dire qu'une seule chose. Chaud. Wow. Et je ne peux que dire,
très très chaud. Je veux faire l'amour avec ces ours. Petit. Perso, je trouve qu'il est plus facile de se toucher le zigouigoui devant une bagnale ou de se faire sucer par soi-même. Ta gueule Antoine et retourne faire des vidéos. La crédibilité de ce mec disparaît définitivement lorsqu'il se retrouve complètement red bourré après avoir bu probablement un chocolat chaud dans ses adorables petites tasses pittoresques dont l'une d'entre elles tombe sur le sol. Aucun respect pour le mobilier, nom de Dieu. Si j'avais été l'accessoiriste, j'aurais pété un câble face à cette négligence. Putain, mais fais attention, c'est fragile. C'est bon, pardon, désolé, mais ne sommes-nous pas tous fragiles? Se passe quelque chose. Une chose plutôt cocasse, c'est qu'à la fin du spectacle, on les voit tous saluer la foule en peignoir. Sérieux, ça sert à quoi de mettre des peignoirs alors que vous étiez à poil tout le long du spectacle? Et croyez-moi, vous avez de la chance car vous voyez la vidéo avec les têtes de chevaux. Je ne savais pas qu'on pouvait voir autant de pénis sur YouTube. Pour mon plus grand plaisir. On les voit boire du champagne, brandir fougueusement des skis, et je crois que quelqu'un est un petit peu en train de galérer. Le pauvre, aidez-le! Sans oublier probablement le plus grand drame de 2015. Hello, darkness, my... Oh non, il l'a loupé. Après, on pourra dire ce qu'on veut, mais les gens qui vont voir ce genre de spectacle sont de véritables passionnés. Je serais extrêmement curieux de voir ce qui les transporte dans cette œuvre. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est que le concept dépasse la notion même de la beauté. On se retrouve dans un chaos ordonné où l'anarchie et l'autocratie se frôlent dans une société en pleine mutation glissante, d'où la référence au ski. Mais je crois que ce que je préfère par-dessus tout, c'est la... C'est vraiment génial. Bon, à présent, il est grand temps de vous montrer une des meilleures chaînes qui a enfanté YouTube depuis sa création. Rubber Boot Soldier? Quoi? Non. Ah. Quoi? Rubber Boot Soldier est une chaîne YouTube américaine créée en 2009 et sa vidéo la plus connue est celle où il pète sur des morceaux de pain. Pardon? C'est pas mal. Non, je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental. Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003. Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui, car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos! Ça ne s'arrête jamais! Pacific Sound 3003 est un français principalement auteur, compositeur, interprète de musique où il chante son amour pour Jéhovah la plupart du temps. Je tiens à préciser que ceci est bel et bien la vidéo originale et que je n'ai absolument rien retouché dessus. Je me demande pour qui il compte voter pour les prochaines présidentielles. Persuadé d'avoir des milliers de fans et d'être signé chez Universal, son plus grand rêve est de remplir le Stade de France à lui tout seul. Mais nous reviendrons sur sa facette musicale un peu plus tard. Attardons-nous plutôt sur d'autres de ses vidéos qui sont pour moi une bien meilleure entrée en matière. Oh, c'est bon. Quoi ? Ok ! The Pacific Sounds 3003, donc un l'honneur... Ok, je vais vous faire la même. De boire le jus de nectar de cocktail de fruits. Ouais. Pour ses fans, avec un amour. Oh. Avec douceur. Même moi j'ai envie avec de me faire vomir. Avec plaisir. D'orange pierre. La première bouchée. Oh. Oh merde, je vous déteste tous. Qui m'a fait ça? C'est quand c'est glacé que ça descend dans l'œsophage. Mais déjà, pourquoi le collier sur ta tête? Donc mes chers fans, donc là je savoure hein, avec du temps, tranquillement, posément, mon yaourt à l'avenir. Hein. Apparemment, je suis pas le seul à aimer mettre mon pénis dans des yaourts. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça si je mangeais seulement des céréales? Oui, mais avec sensualité. Autant mélanger sexualité à alimentation quand il s'agit de concombre ou de banane, je peux comprendre. Non. Mon anus est à présent bien rempli. Et du jus d'orange, mec. Qu'est-ce qu'elles ont fait à tes pauvres hormones, ces vilaines vitamines C? On est les vitamines C et on a envie de baiser. Toutes les vitamines C ont des afros. Check ton microscope, fils de pute. Science, bitch. Pour être sensuel, il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire. Parce que si tu pensais exciter qui que ce soit avec tes bruits salivaires, eh bien sache que... c'est réussi. Mais bien sûr. Bon, en vrai, je trouve ça tout particulièrement creepy et malsain. Avec douceur... avec sensibilité...
Putain, j'espère qu'il est pas comme ça lorsque tu dînes avec lui parce que ça peut vite devenir très gênant. Tiens, goûte-moi ce jus d'orange, tu m'en diras des nouvelles. Oh, c'est bon. Ah mon dieu. Oh. Mais sérieux, qui boit comme ça? Il est carrément en train de rouler une grosse balle à ce pauvre mais verre. Oui. Putain, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec? Quelconque. Non. Mais j'ai même pas dit évêque. Quelconque. Moi qui pensais être arrivé sur la chaîne d'un compositeur de musique, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise. Car comme dit l'intéressé lui-même sur la vidéo de présentation de sa chaîne, je fais principalement de la musique. Le mot principalement n'aura jamais été aussi important. Bienvenue dans notre garderie, nous allons principalement surveiller vos enfants pendant votre absence. Et accessoirement les dévorer vivants pour la gloire éternelle de Lucifer. Et j'ai bien entendu ce que je crois lors de la vidéo de présentation. Moi, c'est Pacific Sans 3003. Pacific Sans 3003. Bonjour, je suis Antoine Daniel. On baise? Non, mais faudrait savoir, c'est Pacific Sans ou Pacific Sans 3003, hein? 2, 3, c'est une oie. 4, 5, 6, c'est une. Saucisse. Mon cher Pacific Sound 3003, ou Pacific Sound 3001, 3014 ou 3017, selon tes milliards de comptes Twitter, que tes fans soient ravis d'écouter ta musique est une chose, qu'ils aiment te regarder manger du poulet rôti avec sensualité en est une autre. Au bout d'un moment, il faut choisir. Plus tard, soit je ferai des chansons d'amour pour Jéhovah, soit je mangerai des yaourts de façon sensuelle devant l'internet tout entier. Je me souviens que j'avais essayé de comprendre comment ce culte autour de Jéhovah fonctionnait la dernière fois que les témoins avaient sonné à ma porte. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin, je suis supposé faire quoi? Fais quoi, putain? Sans grand succès. Pour choisir quelques autres de ses œuvres, on pourrait parler de la vidéo où il déclare sa flamme à une raquette de tennis. Oh, pardon. Je t'aime. Rien d'anormal. Ah. Ou bien la vidéo où il appelle sa mère au téléphone pour lui parler de moi. Donc là, j'ai une vidéo à faire pour monsieur Antoine Daniel. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai répondu à un de ses tweets, il a décidé de faire une vidéo à mon sujet. Du coup, je ne lui fais que lui renvoyer la balle de tennis. 200 000 followers, avec lui tout seul, ben le stade de France est rempli, moi. Je veux bien que j'ai pris un peu de poids, mais c'est quand même pas super sympa, mec. J'aime beaucoup sa façon de tenir le micro. Pourquoi le tenir comme ça, alors qu'on peut le tenir comme ça? Oui, donc il signe avec Universal. Non. Mais du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'on va peut-être faire une collaboration et que je pourrais apparaître dans un de ses clips du futur. Ah mon dieu. Parlons-en justement de la musique et des fans, et par ce biais discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de l'argent. Ah l'argent, pour suivre son j'aime Twitter beaucoup. Et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Rappel, sur ma page j'attends des fans clients. Les fans qui ont trouvé un ami peuvent simplement s'abstenir d'écrire sur cette page. Vous ne pouvez pas me payer? Laissez-moi tranquille. Merci. Au rythme de 1€ par jour, ça fait 30€ par mois. Le Stade de France coûte environ 5 000€ la soirée. Ce n'est pas avec les dons des fans à ce rythme que je louerai le Stade de France. C'est une rigolade là. Parce que tu veux jouer au Stade de France. Le silence de la Mastercard. Le silence de la Mastercard. Pardon. Donc en gros, si je comprends bien, et je crois que je comprends bien, Pacific Sound 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie! Enfin, donc, il donne des concerts sur skate, grâce au je ne vous répondrai plus que pour une chante d'un sub maintenant, bien sûr. Des concerts érotiques. Metallica au Stade de France, en concert érotique. Décevant. En tout cas, Pacific Sound 3003 est trop nul pour faire la bande-annonce de sa chaîne, j'ai décidé de la faire à sa place. Pacific Sound 3003, l'homme qui dit je t'aime en chialant vous présente sa chaîne YouTube. En featuring avec un fond vert et du jus d'orange. L'homme qui a passé le casting de la Nouvelle Star en 2008 et qui a remporté le Grand Prix Photoshop de l'année 1976, True Story de ouf, vous invite à vous abonner à sa chaîne. Préparez-vous à voir plus de 3 vidéos par jour, contrairement à cette grosse merde dont la prochaine vidéo sortira probablement à titre posthume en 2121. Pacific Sound 3003, vénérez Jéhovah et donnez-lui tout votre fric. Non, les Illuminati. J'ai envie de bourrer les dons afin qu'il puisse le faire son concert au Stade de France, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, soyez sympa avec lui, mais toujours avec sensualité. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé, je vous dis à l'année prochaine pour l'épisode 37 de What the Cut. Ciao. Sérieusement, j'espère ah bon. Que cet épisode vous a plu. J'aurais beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter dans les jours qui suivent, comme vous pouvez vous en douter. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes sur internet où nous sommes libres d'être qui l'on est et d'agir comme bon nous semble. Ferme ta gueule et retourne faire des vidéos. Oui. Tu n'as pas de bite. Ça, c'est dur. Mais outrement vrai. Alors, tu... Là. Oh. Bonsoir. Je suis Pierre en grand, complètement différent du menu Pierre qui des fois est par là, ici, là, il est là. Ok. Alors, ça, je ferme, et ça, j'ouvre, il est quelle heure? Il est 23h43. Eh oh, attends.
Non, c'est ça. Je me suis fait peur encore. Bien sûr, les traumatismes des PTSD en boule sous mon clavier. Toc. Je me suis pas trompé. Non. Alors, si je dis pas de bêtises, est-ce que je dis une bêtise? Attends, on va regarder ensemble. Avant de dire une bêtise. Je crois que c'est le dernier épisode. Et après, on a l'épisode bonus. Donc celui-là, il dure 42 minutes. On est bien, on est bien, on est parfait. Allez, let's go. Grand Pierre, mini Pierre, ça c'est le grand Pierre. Donc du coup, je veux le mini Pierre. Bonjour, je suis là, en bas. Regarde, tu me vois. Bien sûr, ne me perds pas de vue. Peut-être que je bougerai, c'est faux. Le général Derek Von Perchmann. Taux de criminalité. En hausse de 42% par rapport à hier. Chômage. En hausse de 42% par rapport à hier. Vous avez nourri les chats? Oui, avec le pâté Cador. C'est le pâté qu'on adore. Les courses? Chemin fringant est arrivé en tête comme vous l'aviez prévu. Bravo, monsieur. Non, est-ce que vous avez fait les courses? Oui, on a pris votre pain de mie en tranche. Sans gluten? Bien évidemment. Ah, remisez sur lui pour la prochaine. Sur le gluten. Non, sur le cheval fringant. Bien évidemment. Est-ce que vous avez sorti mes poubelles? Oui, mais des clochards ont fouillé à l'intérieur. Oh, les salauds. Les pauvres. Où ça en est pour les émeutes d'un 36e? Bientôt sous contrôle. 42 morts, 42 blessés. Nombre de vues sur ma dernière vidéo? C'est quelqu'un de connu? 3 vues, monsieur. Pardon? 1. 3 vues, monsieur. Ouais, ça m'énerve. Et même Gérard arrive à faire plus de 150 vues avec ses vidéos de merde! Salut. 3 vues! Non mais, n'y a-t-il personne ici qui a fait l'effort de regarder mes vidéos? Si, y a moi qui ai regardé votre podcast sur les cravates, mais c'était pas trop bon. Mais non, connard! Oh, moi, c'est les podcasts sur les nœuds papillons! Moi, je regarderai vos vidéos, monsieur, je vous le promets! Tous ces rigolos qui font des centaines, des milliers, des millions de vues! Pourquoi toute cette attention sur eux, alors que mes vidéos relèvent du génie? Mais oui! Il me faut les pleins pouvoirs! Comment comptez-vous vous y prendre, monsieur? Bah, je vais... désactiver Internet! Mais c'est ça qu'il fallait que je fasse! Machine à désactiver Internet. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, j'étais en train de regarder le 2342e épisode de Bob Lennon sur Skyrim. Non, il y a Jean-Claude Van Damme. Attends, tu vas voir, à la fin, c'est excellent. Mec, je suis bourré. Réflexe. Attends. Où sont moyens? Attends. Bonjour à tous. Je suis responsable de cette petite interruption définitive de votre internet. Je suis le général Derek Van Perchman et vous sauriez qui je suis si vous aviez regardé mes vidéos. Mais oui. Il est grand temps de réparer votre erreur. Tout internet a été coupé. Je serai donc désormais votre unique source de divertissement. Sur ce, je vous laisse sur mon podcast sur les ouvertures faciles. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les ouvertures faciles, ben en fait, c'est vraiment pas facile. C'est le moment de paniquer. C'est le moment de paniquer. Sauvez-vous. Ah, le bâtard, j'ai même pas pu te montrer la fin de la vidéo. Putain, je sens que cette introduction va être beaucoup trop longue. Écoute, Dave. Dave, tu m'écoutes? Ok. On doit réactiver Internet de toute urgence. Tu veux que j'appelle les urgences? On doit réunir une équipe, il nous faut les meilleurs. Et à qui tu penses? Je pense à... Joe Stoff. Ses parents ne savaient pas quoi choisir entre Joël et Christophe. Waouh! C'est toi qui chante depuis tout à l'heure? On doit rebrancher Internet! J'ai raccroché. Putain, Jostoff, as-tu vraiment tout oublié? Ce moment où nous dansions ensemble sous la neige dans le spécial Russie ne veut donc plus non. Rien dire pour toi? C'était un beau moment! C'était bon temps, oui. Mais c'est bon derrière moi tout ça. Depuis que je suis les enseignements de Maître Malou. Oui. C'est celui qui parle avec les colibris. C'est un très très gros travail sur soi-même. Et cette surconnexion pourrait vraiment retarder ce que je pourrais devenir. Mais je pensais que t'avais raccroché toi aussi. Je ne sortais jamais de vidéo.
On doit sauver Internet. Je suis désolé, mais c'est non pour moi. Ce sera payé 100 000 balles. C'est oui pour moi. Où est-ce que t'as trouvé 100 000 balles? Eh bien... Allez les filles, on met la main au portefeuille. Je savais bien que ces cours de pole dance me serviraient à quelque chose. Je connais des gens... au placé ? Ça passe. Bien seulement s'il y a ma sœur. Non putain, pas ta sœur, je la déteste, elle est super chiante, elle va tout faire foirer en plus, putain. Mais quelle conne, je la hais ! Je la hais ! C'est pas contre toi, Alice, hein. Ah non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude, hein. C'est pourquoi vous voulez arrêter le général, elles sont sympas ces vidéos. On ne peut plus voir que ces vidéos. Mais c'est pas grave, c'est que des vidéos, ça te fait mal à personne. Il commence à faire des placements produits. Mais c'est pas grave, à partir du moment où les vidéos sont bien... Hein. Il fait ça uniquement pour le fric et la célébrité. Et alors, c'est pas cool d'être connu et de faire de l'argent ? Il a commencé à faire des tutos make-up. Oh mon dieu, on commence quand ? Et pourquoi il vient avec nous, lui ? Il est complètement ivre. Parce que c'est Dave. Bon ? La machine à internet est gardée derrière une multitude de couloirs, de portes, de codes, de gardes, d'énigmes et de pièges mortels. Ça, c'est la tuile. On va devoir s'infiltrer. Je suis un professionnel. Enfin, vous allez devoir vous infiltrer. Moi, je vais vous guider à distance derrière ma petite station de contrôle. Mais tiens, oui. Enfile ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce carabistouille ? Si t'appuies sur ce bouton, tu rentres en communication avec moi. Si t'appuies sur celui-là, ça affiche un hologramme de ce que tu cherches. Par exemple, si tu cherches... une pintade. Oh ! Oh, merveilleux ! Et ce bouton, je sais plus à quoi ça sert. Et si j'appuie sur le zéro... Non ! Ne touche surtout pas au zéro! Oh, et si t'appuies là, ça fait le son de l'âne qui encule un canard. Mais il est excellent cet épisode, il est incroyable! Ça marche aussi en sonnerie de téléphone. Enfin bref, je dis vague. Vague. Je vais leur défoncer le crâne à tous ces enfants de catin. Oui, ça c'est de l'infiltration rondement menée. Merci. C'était ironique. Joseph a oublié le second degré. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est physiquement impossible. Bon, fermez tous vos gueules. Il y a urgence. J'ai vu une youtubeuse qui n'avait plus personne à qui raconter ses vacances à San Francisco. Oh la pauvre. Il est l'heure de passer à l'attaque. Pénétrer dans le bâtiment devrait être facile. Qui veut voir ma vidéo défi où on mange un piment avec des potes? Aimez-moi, s'il vous plaît. Le gros de la garde du général se trouve dans la salle centrale avec la machine. Eh, hey, regardez-moi, j'ai fait un draw my life. Regardez-moi, s'il vous plaît, j'ai été martyrisée au collège, allez. Regardez, j'ai mangé ça ce midi. C'est très sain, je suis super intéressante. Faites-lui exploser ses couilles à coups de dynamite. Pour Internet, Justoff. Pour Internet, Antoine. Pour Internet, Dave. Quoi ? Pour Internet, Dave. Pour Internet, Dave. Quoi ? Pour Justoff, Internet. Pour Dave ! Dave ! Pour Dave, Justoff. Pour Internet, Internet, Antoine, Dave, Justoff. Quoi ? Pour Dave, Justoff. Quoi ? Pour Internet, Justoff ! Pour Internet, Antoine. Pour Dave, Internet. Pour Justoff, Dave, Internet, Antoine. Vos gueules, ça urge ! Ils diffusent en direct un top 8 sur les meilleurs top 8, là ! Courez ! Ah! Quand t'as parlé d'énigmes, j'étais à mille lieues de me douter qu'il s'agissait de me croiser. Pas maintenant, Dave. En six lettres, petit nazi espiègle. Vous êtes arrivé. La machine est droit devant. Mais c'est trop bien! Pourquoi il a arrêté? C'était un piège, j'en étais sûr. Je disais bien que c'était trop facile. Et oui, on parle pour toi, tu t'es touché la nouille tout le long. Essaye de se branler. Et mec, je crois qu'on est mort. Tiens, qui voilà? Monsieur Mathieu Sommet. Alors, oui, hein, mais pas du tout. C'est pas vous, t'en as trop pris, gros. Non, justement, ça c'est lui. Ils ont pris de la drogue, les développeurs? Joueur du grenier. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui? Rémi Gaillard? Pourquoi? Cyprien. Échec de rime! Link the Sun. Voilà ce qui va se passer. Le visiteur du futur. Fac de poule? Norman. Vous ne passerez pas! Gandalf? Tu es un sorcier, Harry. Hagrid? Je vous ai compris! Quoi? Mais vous y êtes pas du tout, là, c'est n'importe quoi. En plus, je suis sûr que cette réplique du général de Gaulle. Non, c'est toi qui n'y es pas du tout. Tu n'as rien compris à comment ça marche. Tu sors une vidéo tous les 6 mois. Ah, bah vous voyez que vous savez qui je suis. Pour fonctionner sur Internet, il faut sortir une vidéo par jour, maximum une vidéo par semaine. Faites du consommable!
C'est pas comme ça que vous allez devenir riche et célèbre. Mais 100 000 balles. T'inquiète. Faites du contenu rapide, bâclé, peu importe. Tant que vous êtes présent, tant que votre image de marque existe dans la tête des gens. Et puis faites des placements produits. Tu pourrais faire de la pub pour, je sais pas moi, L'Oréal, vu l'état de tes cheveux. Alors, des mecs pas très Charlie, t'es connu. Faites pas très Charlie comme vous, alors là, mon cul. Internet est comme ça maintenant. Que vous soyez content ou pas. Bah non, on n'est pas très content. Dave, y a rien compris à ce que vous avez raconté, mais moi j'aimais bien aller sur Internet avant que vous coupiez tout. En plus, on s'est grave fait chier pour venir jusqu'ici. Antoine, il a même dû résoudre un mot croisé. La réponse était Hitler à la verticale. Ouais, lui non plus, il était pas très Charlie. Alors vous allez nous faire plaisir et réactiver cette machine, parce que putain, je suis bourré, je sais plus trop, ok. Ok. Mais les gens, ils aiment mes vidéos. Tu fermes ta gueule. Des vidéos, c'est de la merde et tout le monde le sait. Peut-être, mais au moins je me fais masse de fric. Je le fais pas pour le fric. Oh non. Je le fais pour beaucoup de fric. Oh ouais. Petit pote. Ça sert à rien de discuter avec vous. Butez-les. Courez. À couvert. Non. Alice, tu m'entends? Alice. Putain, je savais qu'on pouvait pas faire confiance à ta sœur. Qu'est-ce qu'aurait fait Maître Malou dans cette situation? Mais oui. Imposer la force vers l'ovalium. T'as du valium sur toi? Ne touche surtout pas au zéro! Je suis désolé, Alice. Vache! On est où, putain? On est dans l'espace. Je sais, ça craint! Je vous le fais pas dire. Je vous bute, toi et toute ta clique! Non. Et on peut savoir pourquoi? Parce que c'est moi qui porte le costume du général, donc c'est moi qui commande. Mais comment t'as... Bon, maintenant je vais retourner là-bas et redémarrer Internet, hein? Non! Ne me laisse pas ici, je sais même pas où on est! On est dans l'espace. Je sais, mais je sais pas où exactement. Dans l'espace. Ta gueule! Moi aussi je veux rentrer! Oh, je pense que vous avez suffisamment d'espace pour vous ici. Sérieusement? Mon humour n'a jamais été convaincant. Quand j'étais en 4ème, j'ai fait une représentation à la MJC de Clermont-Ferrand. Ah, laissez-moi rentrer! Vous ne vous rendez pas compte de la chose extraordinaire qu'est Internet. Ce que vous faites, c'est comme si vous preniez des billets de 500 euros et que vous vous torchiez avec. Ça fonctionne, mais c'est dommage. Mais oui! Bon, alors oui, ça sonnait un petit peu mieux dans ma tête. T'inquiète, hein, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Alors, du coup, c'était un peu confus. Ouais. Je l'avais un peu préparé en plus. Ah non, mais attends, ça se voit. Ça se voit complètement. Hein, c'est merci. Super bien. Bon, allez, on dit que j'y vais. Attends! Comment on fait pour respirer dans l'espace? Aucune idée. Non, le pauvre! Alors qu'il avait un projet, c'était son projet. Un très bon ami à moi. La guerre, ça craint, putain. Non. La guerre, ça craint, mec. Toutes ces armes, c'est si futile. Paix et amour sur la société. Et après tout, on est tous... Jeff. Ah, je savais que c'était non, du mauvais Jeff. J'allais pique-niquer sur un terrain de paintball à balles réelles et sans peinture. Je peux R.I.P. in peace à présent. Jeff. Jeff. F pour Jeff. Jeff. Ah non. Je m'étais tellement attaché à lui, il était différent, Jeff, c'était pas le même. De toute façon, c'était de la merde. C'est vrai. Tu veux pas me sucer? Allez. La machine. Ah, ça veut pas, c'est coincé! Il doit y avoir une astuce. Je sais ce qu'il faut faire. Ah! Mais vous êtes qui? Vous foutez quoi, là? Elle est coincée, il faut mettre du liquide pour lubrifier, n'importe quoi. Non. C'est pas ça, Antoine Daniel. Ça, ça va. Non, ils vont pas pouvoir sauver Internet. Peut-être une fin de live. Bravo Antoine Daniel. Il a sauvé l'Internet. Pas si je vois ça. Ne mettez pas d'alcool dans les appareils électriques, évidemment. C'est très dangereux. Bon, je vais enfin pouvoir te montrer la fin de la vidéo de l'autre fois. Et surtout pouvoir sortir le What the Cut 37. Bah, c'est pour ça qu'il a du retard. What the quoi? There's a cool cat in town, never settle down. She loves
Manu Simontis. And she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town. Salut bande de ratchats, est-ce que je vous ai manqué? Wow. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi par exemple, j'adore lancer des ballons explosifs sur des enfants de 5 ans. Pardon? Oh, oh, sang vivant, putain. T'en as trop pris, gros. Ta gueule, putain. 2 000 euros la rue de la paix, t'appelles ça une passion? Enfin bref, il est probable que certains d'entre vous aiment les arts martiaux et les pratiquent régulièrement. Pour vous faire plaisir, allons en République Populaire de Chine. Afin d'apprendre le kung-fu et de développer notre pratique. Pardon. Jamais je fais ça. Beaucoup trop dangereux. Pardon. C'est marrant, j'ai la pratique inversée. Pardon. Ah lui, il s'en balaye, tiens. Des mecs qui pratiquaient les arts martiaux avec assiduité, j'en ai connu. Mais eux, ils ont juste l'air de s'en battre les couilles. Cette pratique plutôt douloureuse liée au kung-fu s'appelle The Iron X Skill. Ce qui ferait un très bon nom pour un groupe de métal. Bien sûr. Finalement, la technique des œufs d'acier. Et cela consiste en des années d'entraînement, car il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un proverbe dit que si tes couilles n'explosent pas après que tu les aies frappées, c'est que tu as du bol. De riz. Retrouvez les meilleures imitations de Jean-Damien Raciste tous les samedis au théâtre du Petit Enculé. Moi j'aime beaucoup manger des bananes, écouter du tam-tam toute la journée là. Jean-Damien Raciste et son nouveau spectacle que les critiques surnomment déjà le pire spectacle de tous les temps. Qui mange toute la journée des fajitas, des chili con carne. Jean-Damien Raciste, seulement 88 euros le DVD, waouh. Ça va. Achète-le. Le but est de rendre ses testicules plus résistantes ou de les faire rentrer à l'intérieur. Cette pratique ancestrale est enseignée depuis des siècles par les moines Shaolin, comme nous pouvons le voir sur ces fantastiques images. Cet énorme machin sur le sol à l'aide de ses bonnes couilles. Dieu sait qu'elles sont bonnes. C'est tout de même pratique pour faire du jardinage. Antoine, tu passes la tondeuse, s'il te plaît. Pas de problème. Bon, j'y vais. Mais qu'on essaye pas de me faire croire qu'à la fin de cet entraînement, ça ne fait plus mal du tout. Il est clair que cet homme est en train de mourir à l'intérieur. Mais oui, regarde, il est tout rouge. Ça t'explose. Ouais, alors je crois que pour l'entraînement, je suis un peu moins chaud en fait. Je crois que je vais aller me reconvertir au christianisme et puis reprendre mes études de compta. Hein. Allez, on dit que je vais faire ça. Hein. Allez, oui. Mais oui, la compta, c'est la vie. Il ne faut pas croire qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Contrairement à certaines personnes. Oh my god. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Frappe-moi dans les couilles et dis-moi que tu m'aimes! Putain, mais c'est tout de même incroyable que peu importe sur quoi je tombe sur internet, il y a toujours son pendant sexuel! C'est quoi la prochaine étape? Les nourrissons? Quels sont vos principes? Non! Non, 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 non! Oh non! Revenons-en aux mecs qui se frappent dans leurs bonnes balls! Car il est vrai que pour le combat, se renforcer l'entrejambe, ça peut être plus qu'utile, mais dans d'autres circonstances, oui, ça peut créer un blocage! Mesdames? J'ai de la corne aux couilles. Un travail de toute une vie. Et apparemment, pour que cette technique fonctionne, il faut la pratiquer depuis sa plus tendre enfance. Allez, Kevin, premier cours de kung-fu. Oh, allez, pleure pas, petit pédé, c'est ça la vie. Mais oui, moi, à leur place, j'aurais été traumatisé à vie par cette expérience. Non, mais t'as vu ce qu'il a fait, Jean-Michel? Non, mais on parle pas, c'est un gros casse-couille. En plus, après, il voulait sortir fumer et tout. C'est pas possible. Il avait plus de club, du coup, il a... Non, le petit SD, la guerre, le Vietnam. Il se souvient. Quand il a perdu son ami John dans les tranchées. Il y était. Et puis je vois pas comment on peut donner envie à des enfants de se frapper très fort les parties génitales. Si tu veux non. Je suis pas certain que cette histoire de MST touche vraiment les jeunes enfants. Le fait de porter des couches pour adultes. Exact. J'ai tout de même du mal à croire que tout ceci fonctionne réellement. Au pire, il y aura des dommages collatéraux. Vous ne prendrez pas notre virginité. Dans le plus étrange des cas, je me demande ce que produisent ces testicules qui sont aussi durs que de l'acier. Ah mon Dieu.
Merde. Un homme s'étant pris de sévères torgnoles dans les testiboules depuis sa plus petite enfance doit être résistant à toute épreuve. Mais doit y avoir parfois de sacrés problèmes de crédibilité. Faut pas me chercher moi sinon je vais te tuer. Ok. C'est vrai que ça a beaucoup moins de prestance que de débarquer et de dire je suis... Les mecs de la vidéo sont tout de même ultra au taquet, je découvre moi-même des techniques que je ne connaissais pas. Comme par exemple le fait de se pincer très fort ses jolis tétons pour concentrer son pouvoir. Donne-moi tout ce que t'as. Jean-Claude, Pedro, à vous de jouer les gars. Mais oui. Les types sont tellement à fond qu'ils se balancent une énorme balançoire remplie de briques sur l'entrejambe. Et des briques, putain, ils en ont pas la moitié d'une réserve. Bon, Jean-Mi, tu me démontes tout le bâtiment là et tu me fous tout dans les couilles. Et rapidos, hein. Mais je me pose tout de même la question. Si tu possèdes un vagin, est-ce qu'il s'agit de la même technique pour te rendre insensible à la douleur? Allez les filles, on passe à l'entraînement. Faites pas ça. Pratiquer ceci au quotidien doit faire partie d'une étrange routine matinale. Alors moi, le matin, je prends mon petit déjeuner avec un grand bol de céréales, je me brosse les dents, un bon pipi, je me défonce les couilles à l'aide d'une bonne barre de fer parce que j'ai été un vilain petit garçon. Et c'est parti pour une bonne journée de travail. Non mais c'est vrai, cela a l'air d'être ce qu'il y a de plus revigorant vu l'attitude du monsieur à la fin de la vidéo. Youpi, oh chouette alors. Au final, ça fonctionne assez bien. Et c'est dingue ce... Non. Attends, faut que je vérifie un truc. Je suis d'accord avec toi, Épicureuse. Ça a bien vieilli. Je me demande tout de même comment tout ceci marche scientifiquement. Qui serait capable de donner une explication? Non mais t'es sérieux? Tu m'as pas rappelé pendant des années et tu crois que parce que tu changes un jingle comme ça, ça va le faire? Non mais attends, comment j'ai dû gagner ma vie, moi? Bah je me suis prostituée. Et oui, en plus avec l'explosion de toutes les chaînes scientifiques, ma rubrique, elle sert plus à rien. Je les déteste tous, putain. Y penser, Dr. Northman, Dirty Biology... Il y a des choses qu'on m'a vieilli. Je reste après tout très impressionné par la persévérance de ces... Moi je trouve que c'est vraiment de la merde. Ah, alors là tu dis ça parce que t'es jaloux, tout le monde sait que tu es dépourvu de partie génitale. On l'a bien vu derrière... Si, je te jure, j'ai des couilles, Matt. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je suis persuadé qu'à part pour l'autodéfense, il y a bien d'autres avantages à pratiquer cette activité, somme toute... Insolite. Antoine, tu veux des enfants? Je peux pas, je suis stérile. Quoi? Mais pas du tout. Maintenant oui. Mais ouais, la castration chimique, voilà. C'est pour les poules mouillées. Je vois déjà le genre de spot promotionnel pour vanter les mérites contraceptifs de cette méthode qui peut sembler parfois un poil brutal. Pas de couilles, pas de gosses, plus de cash. Pas de couilles, 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 couilles, plus de cash. Pas de couilles, plus de cash. Comment il a eu un lama? Pourquoi j'ai pas de lama? Non, il a un chat. Personnellement, j'ai énormément de respect pour ces mecs. Avoir autant de détermination, de contrôle de soi, d'endurance, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et nous devrions tous prendre exemple sur ces personnes qui mettent tout en œuvre pour atteindre leur objectif final, contre vents et marées, peu importe les obstacles de cette vie, qui au final est un véritable et louable sacerdoce. Waouh, cette phrase était étrangement longue, et vu que je suis sur internet, il me faut ma dose de jump cut. J'adore manger le caca de mon papa. Donc pour en finir, on peut se demander jusqu'où ça peut aller, jusqu'à quel point le matériel peut devenir résistant. Oh mon dieu, une météorite. Putain, on va tous crever. T'as ma femme et mes enfants, que je serai pas là pour Noël. Poussez-vous. Je me suis préparé à ça toute ma vie. Oh, c'est super couillax. Je pensais que ce n'était qu'une légende. On est d'accord qu'il doit toujours avoir le t-shirt. T'attends. Ouais. On est tous morts. Et il flotte encore à l'heure actuelle dans le silence éternel de ces espaces infinis. Lui et ses bonnes couilles. Bon, et maintenant partons faire un tour dans cette magnifique contrée qu'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays européen. Merci, Épicureuse. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde. Avant toute chose, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aimez le Nutella? Parce que moi, je trouve ça dégueulasse. Déjà parce que ça ressemble à du caca et pas du caca de mec en bonne santé, hein. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'aime pas le Nutella, il est en mode. Ouais, c'est exactement comme ça que je vous entends, bande d'enculé. Putain, mais combien de fois dans ma vie j'ai entendu? Alors moi, ma religion, c'est le Nutella, quoi. Ah ouais? Non, faut pas abuser, mais bon. Du Nutella, n'y pense même pas. Et ça tombe bien, car c'est exactement le titre de la deuxième vidéo. Quoi? Mais il y a vraiment ça. Mais...
Mais... Ah. Avec son petit drapeau. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ceci existe, ça existe, oui. Oui, mais pourquoi? J'ai été sympathique parce que la vidéo dure 7 minutes 52. Car je peux vous dire que regarder cette merde en boucle, c'est aussi chiant que d'écouter la partie des claps du générique de Friends en boucle. Cette vidéo aux allures de cérémonie religieuse est signée par l'allemande Carrie Flack, dont l'avatar est à l'image de son œuvre. Et parfois, dans les moments de doute, je regarde ce genre de vidéo car je me dis que si des gens sont capables d'aller voir volontairement une femme en bikini noix de coco banane entièrement recouverte de Nutella chanter faux tout en se faisant bouffer les appendices par un esclave rouge tout droit sorti du Ku Klux Klan devant le tableau d'un mec dont tu te branles dans un gymnase dégueulasse éclairé par une lumière jaune pisse, eh bien tu te dis que peu importe ce que tu feras, tu auras toujours un public pour t'apprécier. Oui, je suis libre, je peux enfin faire ce que je sais faire de mieux. C'est parti. Top 10 des chats. Numéro 10, alors celle-là on la connaît tous par cœur, hein. Numéro 9, vous avez été tellement nombreux à me proposer celle-là qu'il fallait bien que j'en parle. Numéro 8, l'animal, la petite blagounette, on aime ça, on adore l'humour ici. Numéro 7, la classique, la sobriété, l'évidente, bien évidemment, la chatatame. Ce qui m'énerve dans ce genre de performance, c'est qu'il y a vraiment la course à la surenchère à chaque fois. Au bout d'un moment, ça va vraiment aller trop loin. Bah moi, je me tartine du Nutella, et après, je chante un opéra en allemand. Moi, j'aime bien peindre avec du caca avec un pinceau dans mon cul. Bah moi, j'aime bien aller dans votre chambre quand vous dormez, me branler au-dessus de vos visages, comme ça, j'éjacule sur votre nez pendant que vous êtes malade, comme ça, vous pensez que c'est de la morve, et puis après, je prends vos mouchoirs, je les mange, je les chie, puis après, je les mets sur ma tête. Ouais, wow. Ça va un peu loin. Enfin, je parle par rapport au mouchoir. Tout de même, les parents de cette personne doivent être parmi les gens les plus compréhensifs au monde. Papa, plus tard, je voudrais être une artiste. Oh, je décèle une future Van Gogh ou Picasso. Il est bon de noter que le seul être un tant soit peu conscient de ce qu'il se passe et qui ose protester est... Mais oui, le Dogo. Mais merde, c'est super dangereux de mettre un animal aussi proche de la nourriture, surtout quand celle-ci te sert de vêtement. Un chien, pas les bananes, pas les bananes, ça c'est pas une banane, ça. Oh, c'est toi. Puis qu'est-ce que c'est, cette bonne grosse danse de merde? Bon, là je vous la fais comme ça tout seul parce que j'ai pas d'amis, hein, mais sinon c'est à peu près ça, quoi. Et puis une fois n'est pas coutume, la musique donne envie de s'arracher les tympans avec une certaine forme de violence. Avant chaque représentation, je chie dans mon trombone. Notons aussi la présence de tout petit, petit, petit... ventilo multicolore sur cette table dégueulasse en carton. Oh mes enfants, je peux vous dire que j'en ai fourré de la bouche d'aération. Ventilateur probablement présent pour envoyer l'odeur du Nutella sur les spectateurs. Comme si celle-ci était pas déjà omniprésente à cause de, je sais pas moi, la meuf entièrement engluée dans du Nutella. À ce stade-là, on appelle ça une agression. Moi, quand je vais aux toilettes, je ne tire pas la chasse, je laisse la porte ouverte, puis je mets un ventilateur derrière pour tout diffuser dans la maison. Tu veux sortir avec moi? Impressionnant, n'est-ce pas? Si toi aussi tu veux choper sur des sites de rencontres tels que Tinder, Mythic, Adopte un mec, même Badou si tu as plus de 60 ans. Nous écrivons à ta place la description. J'ai connu Badou. Calme-toi. Je ne peux m'empêcher de penser à ma grand-mère morte. Ouh, incroyable. Ça fonctionne vraiment. Je me sens obligé de me moucher à chaque fois que je fais un cunilingue. Qu'attends-tu? Ouais. Rejoins-nous sur www.cesoirjevaisdurcir.gouv. C'est tout de même un beau gâchis de nourriture si on y pense. Si seulement il... Attends. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Putain, heureusement qu'elle était recouverte de Nutella. T'imagines si ça avait pas été le cas? Pas le temps de te faire des tartines le matin. Prends un pote qui vient de faire du sport et le tour est joué. Bref, le ton de cette œuvre a l'air tout de même assez cynique. Comme par exemple le moment où elle chante l'hymne américain alors que cette espèce de sosie ratée de Norman, dont j'ignorais que le spectacle était aussi étrange, est en train de lever un petit drapeau. Serait-elle en train de critiquer l'impérialisme américain et la présence d'huile de palme dans le Nutella? Parce que si c'est le cas, c'est percutant, bien plus que si ça avait été avec des produits écolos. Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. Mais si elle voulait justement nous dégoûter du Nutella, c'est plutôt réussi. Même si personnellement, ça me fout une de ces tricks. Mais non. Alors oui, c'est plutôt sain, mais si c'est pour en faire une utilisation pareille... Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Ça me rappelle cette vidéo de ce mec qui prend des bananes, les éclate avec sa ceinture... Fini en quel but tout en poussant des cris d'énormes demeurés. On l'a vu ça. De deux enfants en bas âge. Non, on l'a jamais vu ça. Salut Steak Fou. On t'a raté plein de boîtes de cut. Se pendre avec une guirlande. Jingle bells, jingle bells. Bande d'enculés. Une des représentations les plus consternantes que j'ai pu voir d'ailleurs. Et je suis pas le seul. Ok, finalement, je crois que je préfère élément filet des cure-dents dans l'urètre. C'est quand même bien fait pour ces foutues bananes. Création du diable. Mais bien sûr. Bon, mais revenons à la dame marron qui lance justement ses bananes avec haine et violence. Je porte des habits biodégradables et je dois admettre que... c'est de la merde. Pour arrêter de critiquer, on peut se demander quelle représentation mêle aussi bien la vue, le toucher, le son, les odeurs et le goût. Et si tu me parles de ton spectacle de fin d'année de moyenne section de maternelle où tu jouais un buisson et que tu stressais tellement que tu t'es littéralement chié dessus et que pour tout nettoyer, tu as décidé de tout manger toi-même... Quoi? Ah, ça compte.
ça compte. Soyons tout de même admiratifs devant l'originalité de ce que nous avons sous les yeux. Car bien que l'association Banane Nutella rappelle le souvenir d'une désagréable sodomie sans poire à l'avant, il est tout à fait possible de rendre le tout ludique et amusant. Découvre les saveurs de Nutella et de la banane avec Antoine et Nio. On est bien là, non? On est très très bien. Oh. Mais non! Ça me plaît bien. Oui. Ne jouez pas avec vos bananes. Oui. Ça me fait du bien. T'y attends pas. Oh. C'est audacieux. J'aime bien les bananes. Oh non! Oh! Pas dans la bouche, c'est dégueulasse! Putain! Et oui, le fait de se recouvrir de nourriture est un fétiche! Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Non! Bienvenue dans pour la communauté WAM pour Wet and Messy, ce qui signifie... mouillé et sale. Tout sale. Aussi connu sous le nom de splashing. Splashing. Jamais vu un mot qui représente aussi bien ce qu'il signifie. Mais... par peut-être déféquer. Il s'agit de gens qui se sentent excités sexuellement, bien évidemment, lorsqu'ils sont recouverts de substances diverses et variées, comme de la boue ou de la nourriture. Tu fais la cuisine à 1h du matin, toi. Mais non, pas du tout, je vais juste me branler et faire un petit dodo après. Je suis chaud pour un petit goûter, moi, maintenant. Je suis chaud, 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 chaud. Certaines personnes pourraient dire qu'ils gâchent de la nourriture, que c'est pas bien. Gâchent de la nourriture, c'est pas bien. Mais peut-être que finalement, c'est leur façon à eux de recycler. Papa, j'ai plus faim, je peux sortir de table. Bien sûr, mais surtout n'oublie pas que... si tu ne veux pas finir ton assiette, au lieu de tout mettre à la poubelle, branle-toi dedans, tu verras, c'est chouette. Surtout dans la tarte à la Mirabelle. La tarte à la Mirabelle, le dessert autrement. Existe aussi en version tartelette pour les enfants. Non, mais dis donc, toi. Bien méchant, c'est Splasher. Putain, quel nom de merde. Pas plus que YouTuber. Enfin bon, je vais pas m'éterniser sur eux et vous infliger des centaines de vidéos du genre, car personnellement je l'ai fait, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. Revenons-en une dernière fois à notre allemande chocolatée. Sur sa chaîne YouTube, on trouve d'autres vidéos, comme par exemple une où elle se recouvre intégralement de miel. Ou putain, si j'avais été une abeille, j'aurais eu le seum. Tout ça pour ça. Bon, pour votre angine, je crois que je vais vous prescrire 450 milliards de kilos de miel. Certains doivent avoir les boules de voir tout ce miel totalement gâché. Donc, il te manque un pot de miel? Oh non, pour Winnie. Winnie, où l'as-tu vu pour la dernière fois? Eh bien... est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Ça, je te le garantis. Enfin, sur sa chaîne, il y a une autre vidéo où elle fait tourner les bananes sur une bien étrange machine. Et ça fait tourner les bananes. Putain, je connais ce regard. C'est l'heure de la révolution! On est les bananes et on vous baisse! Marquons-nous confond avec des bites! Même dans Mario Kart, on vous casse les couilles! On est les bananes et on vous baisse! Chouchou les rageux, on vous encule! Gangster Banana, qu'est-ce que tu vas faire? Les fruits et légumes, révolution! On est les bananes et on vous baisse! Oh, c'était le moment de faire un feat avec Pico, hein! Fuck le Nutella, on passe à la suite. Bon, la troisième personne dont j'ai à vous parler est un monument. De toutes les propositions que vous avez pu me faire au fil des années, celle-ci est celle qui est revenue le plus souvent. Et j'ai hésité très longtemps avant de m'y attaquer. Beaucoup d'entre vous le connaissent et voulaient que j'en parle depuis des années. J'ai nommé... Sylvain Durif. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet homme est un Français s'étant fait connaître aux alentours du 21 décembre 2012, date de la prétendue fin du monde, lors de diverses interviews dans le village de Bugarache. Village qui devait être le seul à échapper à la mort, selon pas mal de théories de l'époque. Parce que c'est vrai que nous autres, on est tous morts. Totalement décédés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'individu en question, celui-ci se présente très bien de lui-même. Je me présente, je suis Sylvain Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique, l'homme vert ou Merlin l'enchanteur. Mon nom, ok, d'accord, je le connaissais pas si bien. C'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'enchanteur, donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le Christ cosmique. Mais bien sûr. C'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Nicolas. Présent. Samantha. Présente. Sylvain, Pierre, Durif, Oriana, le grand monarque, homme vert, roi de France, Sylvanus, Merlin, l'enchanteur, Christ cosmique, Maître Yal, le lion blanc, Altridir, le verdoyant. Présent.
Thibaut ? C'est écrit tout petit sur ta carte d'identité, mon Sylvain, j'arrive pas à lire. Mais qu'est-ce que le grand monarque a à nous raconter, du coup ? Avant de nous plonger dans les méandres de cet esprit fécond, il faut que je me prépare psychologiquement. Waouh ! C'est bon, je suis prêt ! Ben, à l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit des danser des serpents et des singes. Bien sûr. J'ai été abducté, en fait, par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Oui. La civilisation oui, oui, oui. reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique. Bien sûr, ça arrive tous les jours. Des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, réseau reptilien qu'on qualifie d'illuminati. En partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal. Il m'a dit, mais moi je sais que tu t'appelles Pierre. Et il m'a dit, j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'appelle. Bonjour Pierre. Une mission importante à remplir pour la planète. Un compagnon oui, lui-même tout à fait. Dans la nouvelle dimension qui est la Ce message s'adressait à moi en fait. Intéressé à l'Atlantide parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le oui. oiseau serpent. Oui, oui, oui. oui, oui. Toltec. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Sur Aldebaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre loup. Les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les et vampires. Les vampires, bien sûr. Bravo, bien joué Gilles. C'est très beau ce que tu dis là, mon petit Sylvain, je te félicite, mais dis-moi, tu serais pas en train d'essayer de créer une secte par hasard? Une secte? Mais alors pas du tout. Car il a l'air bien gentil, l'homme vert, mais s'auto-proclamer grand monarque, c'est peut-être un poil prétentieux. Ce qui est impressionnant, c'est l'assurance avec laquelle il déblatère ses conneries presque sans hésitation. Bonjour, je suis Antoine Daniel, messager cosmique des tabourets d'argent, aussi connu sous le nom de l'enculé de Jupiter, de Gilbert Lasticot ou de Gandalf le Gris. Je viens pour vous dire que les vaisseaux Illuminati des reptiliens tels que Barack Obama, Mimi Mati ou Rafiki dans le Roi Lion vont venir faire des vidéos What's in my bag. Putain, c'est tellement un gloopy boulga total que j'ai essayé de discuter sur Skype avec lui pour mieux comprendre ses propos. Ouais, salut Sylvain, tu peux nous parler des vaisseaux de la Vierge Marie s'il te plaît? Concernant les vaisseaux, pareil, je fais une recherche sur internet et là je tombe sur un lien en fait qui parle des dieux solaires. Donc il... Attends deux secondes, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de joindre la conversation. Bonjour monsieur fidèle, le nom de mon père, c'est donc, le nom dit, en fait, du papa du savant de la République. Vous allez pas vous y mettre tous les deux en même temps là non plus. Ah mon dieu, ce crossover. Il y a une personne qui veut rejoindre. Non. Le directeur du nom M-A-L-O-U. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Imposer la force vers l'Ovalion. C'est-à-dire l'estime du savant. Il y a une quatrième personne qui essaie de rejoindre encore là, putain, mais c'est... Oh non, putain. J'ai des images. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Bon, même si le grand monarque Sylvanus. Il a dit anus. Il a dit anus. Ça n'empêche pas parfois de se laisser aller à des petites blagounettes pas piquées des hannetons. Elle a répondu, ah bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Ah bah oui, bien sûr. Ah. Là, j'aime rire. Des bonnes barres. Putain, je donnerais cher pour voir un Draw My Life de la part de ce mec. Alors ah ouais. Ça c'est moi, et ça c'est ma vie. Et heureusement qu'il parle de tout ça uniquement en vidéo. T'imagines, il débarque chez toi dans le plus grand des calmes pour te parler des vaisseaux de la Vierge Marie. Je suis Sylvain Pierre Durif. Je sais pas, quand il est pas interviewé, mais il se permet des trucs un peu étranges, comme ce genre d'énorme zoom malsain. Comme s'il éprouvait une sorte de fascination bizarre pour ce que raconte le grand monarque. Oh, tu es tellement beau, Sylvain, tu as un front magnifique. Je serai ton minus, tu seras mon cortex. Fascination tout à fait compréhensible, tant l'homme a de facettes. Saviez-vous, par exemple, qu'il était aussi un peu musicien, avec pour instrument de prédilection la flûte de Pan, dont il pense que les vertus sont magiques. Mais oui. La flûte traversière et la flûte de Pan. Les deux ont des vertus régénératrices, pourquoi? C'est parce que vibration. Le son de la flûte est le dernier son du plan de conscience mais oui. divine le plus élevé. Ah bah mais c'est oui. sûr que ça a plus de gueule que si ça avait été avec de la flûte à bec. C'est un beau bateau. Bobette, le bâtard. Mais apparemment, la flûte de Pan n'est pas sa seule passion musicale. Ah mon dieu! Tu peux nous expliquer ça, Sylvain? Je ne crois pas. Moi, quand je ne parle pas des reptiliens ou des vaisseaux de la Vierge Marie, je fais du karaoké! Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais! Homme aux multiples visages, Sylvanus. Anus! Le grand monarque a aussi la casquette d'informaticien qu'il a utilisée pour remplacer Internet! Pourquoi tu voudrais faire une chose pareille, Sylvain? Hein?
Pourquoi? Je te reconnais pas! T'étais comme un frère pour moi! Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai inventé l'invention Invita qui va remplacer l'Internet. Ah oui. Le système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire, ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Ah, vous l'avez donné. J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité. Ah, c'est gentil. 150 millions d'euros pour vivre en marge de la société? Putain, ce gros silence de la Mastercard des familles que tu nous as sorti là! Ah, c'est pauvre! Quelle vulgarité, tous ces gens qui s'habillent chez Gémeaux! Plus sérieusement, son initiative est tout à fait louable, bien qu'elle n'ait aucun sens. Mettre gratuitement au service de l'humanité tout entière Invita, son système pour remplacer Internet, c'est beau. Ça n'a toujours aucun sens. Et puis en vrai, quelle gueule aura ce nouvel Internet mondial? Étrange, quand je rentre, mes symptômes sur Doctissimo, ils me disent que je suis un sataniste illuminati. Parmi le tas d'informations qu'ils nous balancent, nous apprenons quelque chose de relativement inquiétant. Toutes les civilisations extraterrestres et intraterriennes sont en train d'observer ce que nous sommes en train de faire. Oui, de manière tous. Vigilante. Lui, il a fait le crossover de tout. Eh bah putain, s'il nous observe, il a sorti Merlin l'Enchanteur, Jésus, les reptiliens, la Terre creuse, les aliens. À gauche, Jésus, oui, il a tout mis. Lui, il ratisse large. Ça, c'est moi qui te le dis. N'empêche que j'ai tout de même un petit peu de mal avec ces vidéos et la façon dont elles sont faites. Il est tout à fait possible et même plutôt sain de rire de Sylvain Durif, mais il y a un gouffre entre s'en moquer gentiment et carrément aller le voir dans son patelin pour se foutre de sa gueule en vidéo. Ouais, mais non. Donc. Il est trop ironique, MDR, il m'a tué, JPP, je respire plus, Emoji qui pleure. Sérieux, c'est du niveau de ceux qui font des canulars téléphoniques complètement à chier. Allô, monsieur Durif, vous devez avoir le zizi tout dur, if. Même si le grand monarque est un petit peu perché, pour ne pas dire complètement taré, oui. Il n'a pas l'air très méchant et semble vivre bien dans son petit monde, rien qu'à lui, bien au chaud à l'intérieur. Et je serais curieux de voir ses futurs projets. Je prévois de faire un film relatant mon histoire. Je recherche une équipe pour s'en occuper, pour faire un film genre Rencontre du Troisième Type. Avatar, Seigneur des Anneaux. Ah ouais, carrément. Oh, mon Dieu! Je me souviens de cette nuit de décembre 1982. Oui. Je pensais qu'il ne s'agissait que de simagrer jusqu'à ce que... Oh mon Dieu! Ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie! S'en suivit une rencontre inattendue. Je suis roumain. Mais comment est-ce possible? Nous sommes à Montréal. Je sais qui tu es l'homme vert affilié à l'énergie cosmique du Grand Monarque. Ok. Suis-moi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Plus les révélations tombaient, plus j'en apprenais sur moi-même. Je m'entraînais tous les jours pour devenir meilleur. Illuminati. Mm-hmm. Illuminati. Ouais. Reptilien. Mm-hmm. Et deux. Reptilien ? Illuminati. Oh. Tu es enfin prêt pour partir sur Aldébaran. Sylvain Durif, au pays du LSD ! Les enfants, il est rudement déconseillé de consommer de la drogue. Ouais, enfin, sauf si c'est de la bonne, hein. Faut pas hésiter à en prendre un maximum. Moi, par exemple, j'en vends vraiment pas cher. Antoine, 15 pas euros, le LSD, le buvard, non, franchement, c'est pas cher. Antoine, on y va ? Je préfère Salut les Geeks. Faut qu'on regarde Salut les Geeks. Gloire éternelle au grand monarque. Voilà, cet épisode 37 de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Rapidement, le prochain 29 où j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Et ça sortira le 29 janvier, visiblement. De plus en plus de temps entre chaque épisode de What the Cut, mais plus c'est long, plus c'est long. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de prier chaque soir le Christ cosmique, le grand monarque. Bonne année 2016 et ciao. Vous m'aviez manqué. Et après, à part le hors-série, il a arrêté après, quoi. C'est incroyable, c'est dommage. Je piche pas parce que là il se trouve là. Ok. Hop. Merci Antoine. Toc. Grand Pierre. Je suis crevé, on va s'arrêter là. On va pas aller trop loin ce soir. Le hors-série, c'est même pas de lui, ça tombe bien, on se verra ça mardi. Alors vous voyez, ce soir on n'avait pas de plan, demain pareil, je sais pas. Tu me poses pas la question, j'en ai aucune idée. Il y aura un truc. Je sais pas, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Ah si, peut-être demain après-midi, alors ça dépend, je t'explique. Si le soir... on fait un truc avec Yo-Yo. Peut-être que l'après-midi, je lancerai un petit Space Engineer. Voilà. Si on fait rien avec Yo-Yo, je ferai quelque chose le soir. Du coup, je vais pas faire l'après-midi. Bien sûr, un peu de repos quand même. Je te remercie d'être venu. C'était trop cool. On se dit à demain. Je t'embrasse. Tu passes une bonne fin de journée, de soirée, de nuit. Tu vas te coucher. Non,
Si, tu peux encore regarder un petit truc, mais va pas te coucher trop tard. Je te souhaite un bon dimanche après-midi, on se retrouve demain. Je suis vraiment crevé, je dis de la merde. Allez, des bisous. À demain.